Oui, allô? Oui. Comment tu vas? Allô, ça va et toi? Bah écoute, ça va. Quoi de beau du coup? Bah pas grand-chose, écoute. Si ce n'est Ok. que je suis officiellement propriétaire d'auto-école. J'attends juste les clés du Sénat. Ah ouais, comment ça se fait? Ah, vu que Josiane est décédée. Ils n'étaient pas sûrs de Ah pouvoir me donner oui. l'auto-école. Ah oui, d'accord. Et toi sur la nouvelle radio Oui, ben je m'y mets de suite. Ok, ça marche. À toute. À toute. Présence radio. Entre soi. Comment? On te reçoit. Je vais venir te chercher, on va aller faire tes tenues. Ouais, pas de souci. Mais étant donné que c'est un peu plus compliqué pour toi, étant donné qu'on n'a pas le même catalogue. Oui, ouais, pas de souci. T'es où là? Je suis au parking là où on habite avec John et Léo. Sur Vinewood? Garage I. À Clinton Avenue. Ouais, sur Vinewood. Très bien, bouge pas, j'arrive. Ok. Fous-toi dans la ruelle derrière. J'y suis. Très bien, je passe le plein. Je vais au stockage prendre ce que tu auras besoin et puis je viens chercher. Bien. Bon, les mises en bouche.
100%.
Hein? Vu ce que j'ai acheté, j'ai revendu mon Mustang. Un gros Cadillac. À l'appart et je m'en exceptionnellement change toi je sais pas où t'es exactement chez moi. Je me mets en route, tu nous rejoins. C'est tenue 2, ah ouais. Non, tenue 1. Ah, mais. J'aimerais déjà être là-bas. Oh, faut que tu prennes ta voiture. Moi, ouais, il faut que je prenne la mienne. J'ai mis des trucs à donner à Stein avec. J'ai toujours du mal à trouver. Et où son truc de merde, c'est chop. Putain, je viens de je l'ai trouvé il y a 2 minutes. Ah, il est là. Ouais. Marc aussi. Attends, la vie offre, non? Je sais pas, t'as bien vu avec. Et faire des armes et tout ça. Thank you.
Arrivé à la villa. Ok, on essaie de faire la tenue de madame et on arrive. Ok, ça marche. Léo, dispo radio. Ok Léo, mets-toi en tenue et j'arrive là. Je récupère pas la voiture? Si, récupère la voiture et ramène-la. Tu sais où elle est la villa? T'inquiète. Ouais, moi aussi, casse les couilles.
Pour l'instant, je suis tout seul à... Et t'es où? la ville. Oui, non, mais où t'as envie là? Ah bah je suis planqué derrière un mur. Bah, t'es pas obligé de te planquer. Ouais, je sais, mais on sait jamais s'il y a quelqu'un qui... suis peut-être trop méfiant, non? Vas-y, mais rentre, rentre, rentre. Mets-toi dans à côté de la piscine. Ouais, mais c'est... Attends, t'as pas les clés. J'ai pas les clés, c'est pour ça. Eh ben viens. T'es quoi qu'on est passé? Ah T'étais merde! où? Ah, En plus, on est vraiment passé, on a vu l'escalade et en fait on est rentré donc... J'étais juste là. Oh là là, mais viens, on s'en fout. Contre le mur. T'es au courant que je discutais en plus, donc t'aurais très bien pu rentrer. Oh là là. Viens, Molly, on va échanger. Ouais. Non, c'est en bas. Ah, mais toi, t'es déjà changé, toi. Que okay, bah, aussi, Ouais, viens, 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 viens aussi, viens aussi. On va faire la réunion en bas. Le débrief, surtout. T'es où, là? Quoi? Oh, il me fait chier, celui-là. Bon, attends. Non, c'est pas ça. Ça. Pas bouger, non, pas devant moi. Attends. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. ah. Bah j'ai pas les clés. Ah oui, ah ouais, merde. Maintenant, j'aurais pas dû. Attends. Ça va? Bah écoute, ouais, toi? Bah tranquillement, hein. Bah écoute, Poésie est passée à l'autre école il y a 3 jours. Ouais. Il m'a dit que bah il partait. Il rejoignait Gabriel. Machin. Ok. Au bar. Et puis voilà. Ah oui, d'accord, ok. Et du coup, tu sais pas pourquoi il est parti comme ça? Bon, il avait besoin de changement et puis bah, il est revenu, il était un peu tête de con. Ah oui. Il m'a rendu ses clés comme ça, on s'est démissionné, pouvoir démissionner comme ça. Je dis bon, comme t'es un ami, ça passe pour cette fois, mais après, ça passera pas. Bah ouais, c'est clair. Genre, hein, on est arrivé à l'auto-école, il est venu vers moi, il m'a donné les clés. Il m'a dit tiens, je démissionne. Je fais tâche Ok. fort et il y a la raison valable. Alors, il m'a expliqué son histoire avec Gabin. Travailler dans un bar, en tant que manager, je sais pas. Je dis ok, bah, tant mieux pour toi. C'est au moins tu restes pas sans rien. Puis après, je sais pas, il y a vraiment rien, ça a râlé. Ouais. Je pense que ça y a été un peu chamboulé avec. C'est Josiane. Oui, ben, je pense avec ça, plus ben, moi je sais que j'ai plus de nouvelles de lui depuis qu'on a appris qu'on était frère et sœur. Je pense qu'il a besoin de digérer le truc peut-être, ou alors il veut peut-être pas entendre parler de moi, je sais pas. Je sais pas. Il m'a même pas parlé de toi, c'est vrai qu'il m'a pas parlé de toi. Ouais, bah ouais, puis je lui envoie des messages sur le téléphone et puis il répond pas, donc je me dis que... Ah non, mais s'il est encore en mode tête de con comme il a pu l'être ces derniers jours, bon courage. Bah ouais, tant pis, hein, ma foi. Même sa copine, elle me répond plus, alors super bizarre. Ah non, mais c'est... Je sais pas, ils sont bizarres. Ouais, écoute, hein, c'est comme ça. Je vais peut-être lui laisser un peu de temps pour digérer les choses, je sais pas. Ouais, bah ouais. Hein. Ok, ça c'est...
Et où mon second là? Second, c'est fait la malle. Ça fait tomber la chaise. Ah. Finalement réussi à trouver les tenues. Oui, on a fait ça, oui. Oula, c'est que ça va encore en profondeur en plus. Ok, lui il est pas là, dommage. Ça, on peut encore descendre. L'autre, il est où? Ouais, je crois, c'est des escaliers. Ouais, c'est des escaliers. Ah ouais, d'accord. Ah, d'accord. Ah, elle est pas mal équipée. Allô, oui. T'es dispo là? Dépêche, il est 30. Hein. Bah 30 le temps qu'on débriefe avec tout le monde et qu'après on y est quoi. Pour être à peu près OP vers. Mais, putain, mais c'est dans le message, couillon. Oui, mais. Temps d'un débrief quoi. De toute façon, il en manque un aussi donc. Ouais, enfin bon, vous le soyez là quoi. Il est On va aller où? Il y a déjà toutes les recrues. Oui, bah de toute façon, il en manque un, donc j'ai envie de te dire. Oui, bah très bien, alors je suis pas ton identité et puis point. Bon, allez, dépêche. Ah, Salut! t'as pas sauvegardé le gilet. Ah non, mets-toi. T'as vu ou pas en bas? Entre la table et le fauteuil. Ah, je vais regarder. Vas-y, viens. Mets-la une. Pas l'armoire. Tu viens d'avoir les clés? Ah, mais elle a pas les clés. Tout. Ah, ça fait déjà ça. Ok, non, viens, t'es où? Oh, ça va toi? J'entends pas. Ouais, ça va. Ça va, t'es à l'heure quand même. J'ai fait au plus vite. Tu arrives? Au final, je suis là avant tout le monde. Moi, j'étais arrivé. Bah, je suis dans les premiers, quoi. Ah, j'ai ce que je t'ai promis. Dis pas qu'il y a Ah les bien, bandages. vas-y, donne-moi ça. On t'en a gardé pour toi. Ah non, j'aurais pas gardé. Oh. Tu verras bien.
J'en ai encore à l'hôtel. Oui, mais là, pour l'instant, t'en Ah as oui, besoin pour ce pour soir. maintenant, oui. Voilà. Léo, t'en as? J'en ai un coup. Ouais, mais non, pas assez. 5 ça, 5 ça, voilà. Raton Molly, je vais lui enfiler aussi. Pour l'instant, je recharge son arme. Bon, messieurs, vous allez avoir des Tech 9 pour ce soir. Donc, vous allez avoir les Tech 9 avec chargeur grosse capacité. J'ai pas pris de téléphone. Très bien. Tu me éviteras des emmerdes. Tac, tac, tac. Donc, vous aurez un gilet pare-balles que vous mettrez pas maintenant. Et j'ai envie de vous dire, si vous les mettez pas, c'est bien. Si vous les mettez, c'est pour votre sécurité. Si vous en sentez le besoin, mettez-vous à couvert et mettez-le. Toujours pas pour l'armoire. Non, c'est toujours pas. Si tu viens d'avoir les clés, va faire un pipi. Plus un gros dans ce cas-là. Peut-être un gros? De toute façon, il nous en manque deux. Donc bon. Donc, vous allez avoir un gilet pare-balles. Soit vous le mettez maintenant. Soit. Bah, je vais pas vous les donner maintenant, mais quand je vous ferai le gros débrief, vous le mettez. Ou alors, vous attendez qu'on soit là-bas, que vous voyez que ça va commencer à être un peu chaud, et là, vous le mettez. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais bon, je pense que vous allez le mettre une fois sur les lieux. On va laisser 20-30 secondes, le temps que tout le monde mette ses gilets. Et après, on commencera l'attaque. Donc, Tech9 silencieux, chargeur à grande capacité. Vous avez 20 balles dans le chargeur. Vous allez avoir 20 balles dans le chargeur. Donc, vous n'êtes pas des Mongols. Vous tirez pas le chargeur sur une personne. Vous essayez de viser bien, de viser net, de viser propre. Si ça serait possible, vous aurez pas de chargeur supplémentaire. Donc, je vais pas dire gardez vos balles, mais si vous voyez que vous en avez plus trop, faites très attention. Ça peut partir assez vite. Yes. Vous allez avoir 10 000 dollars. Et puis un gilet, 10 000 dollars, l'arme, soin, c'était bon. Et puis bah je vous expliquerai une fois que tout le monde sera là, débrief et puis en avant. Il vous reste encore des pizzas? Oui, tiens. Ouais, par contre, j'ai plus d'eau, attends, on va chercher. Merci. L'eau c'est bon, l'eau c'est bon, l'eau c'est bon. Ouais, mais moi j'en ai plus. Ah, toi t'en as plus. Je peux quand même en prendre. Tac tac tac, on prend 6 pour la soirée. Imaginons, j'ai plus de balles dans ma Tech 9. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser mon arme? Oui. Mais si ça peut être évité, c'est mieux. Ah C'est ouais, pour ça bah qu'il ouais. faut faire attention et. Normalement, vous avez entre 150 et 170 balles. L'opération va pas durer tant que ça. Oh Si bon, longtemps que déjà. ça. Donc, et c'est pour ça, visez net, propre,
Bon, et normalement, ça devrait aller. Mais bon, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut être un peu compliqué. Vous avez suffisamment de munitions, entre guillemets, pour survivre. Si jamais vous avez plus de munitions, eh ben, dans ce cas-là, vous le dites radio et vous vous couvrez. Et puis dans tous les cas, nous on aura 3 MP5 et vous 3 Tech 9. Donc on va essayer de répartir les trucs, donc pour que ça soit bien. Tac, tac, tac. Genre 2. Pizza c'est bon, boisson c'est bon, soin c'est bon. Tac, 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 téléphone, pas besoin. Métro en radio. Vous êtes où? Ouais, tout seul à la villa, et oui, bon, il en manque juste un. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oui, enfin, un pour toi. Parfait. Et voilà. Bon. T'avais pas dit qu'on devait être 6? Il manque qui, du coup? Voilà, il y en a un qui arrive. Il manque B2. Il y en a un qui arrive et l'autre il est parti. Ah, il est parti faire une livraison suite de. Mais oui, normalement on est censé être 6. Donc là, 4. Mon second. Et entre guillemets, mon lieutenant. Mais voilà. J'attends juste que les deux se ramènent et on commence le débrief. Et une fois qu'on est bon, on commence. Ok. Bon, on a essayé de faire au mieux. J'avais pas pensé qu'il allait être nu, c'était pas les mêmes. Ça, c'est pas trop choquant, je trouve. Oh, ça va, ça sera. Ouais, je trouve ça va en vrai. Juste les gilets, quoi. T'as pas, y a pas, y a pas le même gilet que nous. Non. Non, c'est pas les Le mêmes rayons. seul gilet qu'il y a, en fait, ça, les seuls gilets qu'il y a, c'est des flics, des médecins, des shérifs, et c'est tout. Ou alors c'est Meriwether, ou le gros gilet pare-balles surblindé comme ça, c'est tout. Ou le Donc gilet bon. orange. Ouais. Mais bon, elle peut pas y aller sans gilet, en fait. Non, je tiens à ma vie quand même. On peut éviter le gilet orange, quoi. C'est pour ça. Donc bon, on va faire au mieux. Tant pis. On essaiera de faire au moins l'OP3 quand on aura un peu plus de temps. Ce soir, c'est un peu la course. Qu'est-ce qu'il branle là? On t'y arrive? Évite de te prendre une balle. Mais y a personne. Comment? Évite de te prendre une balle. Oui, bah toi aussi pour la même Non, occasion. on a mis du temps. Ah, tu Et m'étonnes. toi pareil, Jen. Mais moi je sais même pas encore trop le plan là. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon second. Alors. Ok. Il Madame. tire. Regarde en bas. Sinon, c'est de voir là-haut, je sais pas où je l'ai Dans la foutu. piole. Ah oui, merde. Attendu. Aïe, j'ai eu bougé. Peut-être pour ça qu'il le cherche aussi. Sinon, ça va aller. Ouais. Ça va pas l'air. Concentré. Ah, ok. Tu
que tu vas te faire niquer, gros. Lève-toi. C'est le fauteuil du chef. Bon, messieurs, dames, en salle de débrief, maintenant. Allez, voilà. 1, 2, 3, 4, il y en manque un. Il est où? Et il arrive, très bien. Bon. Il y a déjà mon second et mon lieutenant. Non, si on peut pas me foutre de silencieux. Donc t'aurais une MP5. Oh putain. Ouais. Non, t'as pris une MP5? Prenez une MP5 et un gilet. Et 10 000 $. Ok, bah, puis on s'en fout, on laissera de l'argent là. Tout le monde a à manger sur lui ou pas? Ouais. Ouais, ça devrait le faire. Ouais, ça. Vous êtes sûr à 200%? Hein. Non, moi j'ai ce qu'il faut. Oui, non, mais c'est pas ça. Bordage à FAG. Ah ouais, attendez, ah putain. Bon. Non, bah, tu vois où? J'étais chercher tout à l'heure. Faut que j'aille. J'ai plein de bouteilles d'eau. Je vous fous des bandages à l'intérieur du stock. Non, mais j'en ai aussi. Ouais, bah, pire, c'est pas grave. Non, mais j'en ai. Là, t'as okay. Combien en bouffe bien. Qu'on soit sûr. Moi, j'en ai 15, donc c'est good. Et 8 bouteilles d'eau. En bouffe, j'ai une pizza. Un burger. Combien de pizzas? Une. Et 3 une entière ou une part? Une entière. Ouais, ok. Ça. Léo. Moi, j'ai 2 parts et une dizaine de bouteilles. Molly. 10 burgers et 8 coca. Ok, là. Ok, t'as pris un gilet? Non. Non, t'as un gilet sur toi? Ouais, j'en ai un. Ok. Bon. Tac. Chacun votre tour, vous allez venir. Je vais vous filer un Tech 9. Un gilet et normalement vous avez tout ce qu'il faut en IFAX et trucs. Vas-y, okay. Premier. Très bien. Donc, Tech 9, j'ai dit, et 150 000 munitions. Tiens, 10 000 $, j'espère que t'en avais pas. Et un gilet par balle. Et normalement, je t'ai filé IFAX et bandage. C'est bon? Ouais, parfait. Merci. Très bien. Attends, j'ai plus d'argent. Donc très bien, il y a un autre. Ouais, parfait. Hop. Tech 9 avec une 170 balles. Un gilet. 10 000 $. Et normalement... Ah, stop filet. Ok. Voilà, 10 000 $. Normalement, t'as IFAX et bandage. Ouais. Nourriture, boisson. Et t'as ton gilet. Très bien. Ouais, madame la dernière. 10 000 $. Non, je l'équipe. Non, ok. Un gilet par balle, un Tech 9 avec 140 munitions, je pense. Donc, ça devrait suffire. Nourriture, boisson, soins, c'est bon. Bordage, okay. IFAX. Ce soir, pas de problème de téléphone. Tout le monde met son téléphone en mode avion. Ah oui, puis ça, je le répéterai pas. Voilà. Soit vous le prenez pas, soit vous le mettez en mode avion maintenant. Je peux le donner pour que. Très bien, allez-y, ouais, je mets dans le stockage. Non, c'est l'autre qui l'a pas pris, c'est très bien. Et madame, pareil. Je le fous dans le stockage. Le mien, j'en ai pas besoin non plus. Très moi, bien. Je le garde avec l'avion. Il fallait juste un mode avion et après, vous aurez plus de notification de rien. Papier d'identité, permis de conduire, tout. Donnez-moi que je le foute ici. Attends. Une personne à la fois. Ouais, oui, pardon. C'est bon, t'as tout ce qu'il faut? Ah, voilà. Ah, bah, je pense.
Voilà. Je vous la redonnerai quand vous pourrez. Vas-y, prochain. Permis de conduire, carte d'identité, permis de port d'armes s'il y a. Salut à Très toi, bien, et madame. sur le live. Même papier de véhicule si vous avez eu quoi que ce soit. C'est jamais. C'est bon pour moi. Ah bien. Bon, tech, 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 ça on s'en fout. Ça on sait jamais. Tu gardes ça. Ok. Tech, Et toi? tech. Bon, évidemment il manque un. On va attendre quand même qu'il soit briefé pareil pour tout le monde. Donc, sur vous, vous avez tous une arme, un gilet, de l'argent, de la nourriture, boisson et des bandages et des tifax. C'est bon On a pour tout vous? fait. Très bien. Donc, nous trois, nous avons arme de poing, MP5 silencieux, gilet pare-balles. De la du des soins, de la nourriture et de l'argent. L'autre il est parti chez vous. Bon, on va boire un coup, on me donne sauf cette histoire. Bon, très bien, débrief. On a eu des petits problèmes avec un certain groupe appelé les Lost, des bikers. La con qui ont voulu nous attaquer. Donc, on va se faire un malin plaisir d'aller se venger contre eux. Sauf qu'il nous faut un plan, évidemment. Donc, moi et mon second, on va aller chercher des bateaux pour l'extraction. Mon lieutenant B3 va vous emmener, entre guillemets, choper deux véhicules. Donc, il vous expliquera comment faire. Vous chopez deux véhicules. On s'en fout de quoi. C'est juste qu'on ait deux véhicules histoire de s'approcher de leur lieu. Nous, avec mon second, on va choper des bateaux. On va prendre la mission au monsieur qui me la donne. On va faire tout le tour et ça sera le plan d'extraction. Vous viendrez nous chercher avec deux véhicules volés, pas très loin du lieu d'extraction entre guillemets. Il y a une voiture qui va venir nous récupérer. Faut qu'on soit trois dans chaque véhicule. Donc, une fois que nous avons récupéré, chacun un côté. Je ne sais pas si vous savez, entre guillemets, comment est le camp des Lost, mais c'est une boucle. Il y a une entrée et une sortie qui peut être utilisée comme les deux. Donc, il y a deux entrées. Il faut que la zone soit nettoyée au peigne fin. Si vous entendez un cri, quelque chose, des bruits de pas qui ne ressemblent pas au nôtre ou quoi que ce soit, vous vous préparez à tirer. Je veux que la zone soit nettoyée, entre guillemets, au peigne fin. Donc toutes les routes doivent être dégagées. Dès que vous voyez une personne armée qui n'est pas dans cette tenue-là où nous sommes actuellement, aucune sommation n'est autorisée. Vous faites feu dès que vous voyez quelque chose de suspect avec une arme. Si c'est un civil, vous attendez. Il y aura deux véhicules. Donc, moi, deux recrues. Mon second, mon lieutenant, et une autre recrue. Qui veut où, je m'en fous royalement. Je veux juste que cette zone soit nettoyée à tout prix. Le plus rapidement, le plus efficacement possible et le plus discret possible. Qui tire bien? Les trois recrues là. Moi, je devrais m'en sortir. Moi, ça fait un petit Levez moment les que j'ai mains. pas touché une À arme. voir. Ok, qui tire le moins bien d'entre vous? Est-ce que vous le savez ou pas? Ah non, on sort. Ok, bah tant pis. Ok. La personne qui se sent la moins capable, elle vient avec moi et le chef recrue. Ok? Et les deux autres, je les prends avec moi.
Et les deux autres, vous allez avec le poste. Il faut un véhicule qui passe par la droite et un véhicule qui passe par la gauche. On s'en fout de qui prend quoi. Je prendrai la gauche. On s'en fout du plus sécur. Je vais prendre la gauche avec donc. Il me faut Léo et John, c'est ça? Très bien. Donc, nous, je veux qu'il y en ait un de vous deux qui chope un véhicule, qui vienne nous récupérer au point d'extraction, enfin, qui vienne me récupérer au point d'extraction. Et les deux autres personnes tapent un véhicule et viennent récupérer mon second au même point d'extraction. Qu'on arrive en même temps et qu'on attaque les deux entrées en même temps. C'est bon? Ok. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez compris la mission? Oui. Bien. En route, messieurs. Vous Sauf allez si vous vous avez des dans un questions. véhicule tous les trois là, comme ça je vais vous mettre sur le GPS les points d'extraction, les points d'entrée et où on va mettre les où vous allez devoir récupérer les gens. Venez. Allez, on décolle. Je veux une radio précise. Pas de... Non. Pas de bégaiement, radio précise, nette, information précise. J'ai vu, t'as changé la fréquence là, j'ai pas noté c'est quoi. 6847. Ça fait bêta ou juste par sécurité? Non, juste pour sécurité. Ok. Ok, les trois recrues, vous montez dans le ranch pour l'instant. Vas-y, montez dans le range. C'est ton range? Non, c'est pas le mien. Non, c'est le mien. Pour leur expliquer avec Attends. les... Eh merde. Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave. Il sera pas utilisé ce soir, de toute façon. Ok. Donc regardez bien. Et mettez-vous moi, sur le on va GPS. choper les bateaux avec le second. Et je prends les ancres. L'équipe du patron, ici. L'équipe qui est avec moi, ici. On progresse vers le nord, ok? Point d'extraction. Ici. Donc ici il y aura deux bateaux. Vous venez nous récupérer ici. Ok? Ok. C'est bon pour vous ou pas? Vous avez compris ou pas? Oui. Alors on commence par quoi, hein, du... Alors, en gros, nous on va aller chercher deux bateaux. Vous allez aller chercher deux voitures. On va ramener les bateaux ici. D'accord? Ouais. Ça sera le point d'extraction. Bon. Le point d'extraction, il sera plus par là. De toute façon, vous verrez, il y aura deux longues fines qui vont traîner sur la plage. Vous devez venir nous récupérer ici. Ok? L'équipe du Avant boss, l'attaque. voilà, avant l'attaque. L'équipe du boss partira sur cette partie-là. D'accord? Où je suis en train de pinguer au fur et à mesure là. Et nous, avec la demoiselle, là, on partira de ce côté-là. Ok? Et le but, c'est qu'on se rejoigne là et que le point d'extraction soit par là. Donc on va voir où c'est qu'on va les garer exactement les bateaux. On va jeter l'ancre dans le coin. Ok? Ok, ça marche. Allez, vas-y. N'oubliez pas de vous donner à tous les clés, que tout le monde ait les clés de tous les véhicules. Que ce soit les véhicules que vous allez voler ou les bateaux. Ouais, c'est pour les véhicules volés surtout. Mais oui. Très bien. Vous partez dans deux véhicules différents. Que vous fuyez les clés, on s'en fout. Vous les posez à un garage et vous tapez deux véhicules. Vous avez compris? On s'en fout desquels, faut juste que ce soit discret. De toute façon, On va faire genre en bas de chômage. Voilà. Pour aller taper, vous partez sur Paléto. Vous les tapez là-bas et vous passez par le tunnel des bûcherons. Comme ça, au moins, Ok. si les keufs y vont par là-bas, vous serez loin. Ok? De toute façon, le temps que nous on fasse le tour avec les bateaux, ça risque de prendre un peu de temps. Ouais, on vous fera un call radio de toute façon. Donc voilà. Ok. On va dire que j'en pars. Allez messieurs, bon courage, chacun a sa mission. Et faites attention. Alors avec le véhicule. Attends là. J'arrive. On remarque qu'elle peut venir avec nous en vrai. Non, on s'en fout. Ouais. Qu'ils aillent taper un véhicule à deux, ça sera plus rapide. La direction Paléto. Ça va un peu. Demi-tour déjà pour Paléto. Ah, ça commence bien.
Regardez à l'esprit, vous avez à peu près 10 minutes de calme avant que la tempête soit violente. C'est le moment de faire redescendre la pression avant que ça redémarre sévèrement. On a les flicots. Non, ils ont tourné. Ah, j'ai eu peur. Ouais, t'inquiète pas, ça nous arrive souvent. Je te jure que l'aimant, il fonctionne en sens inverse. On n'attire pas les poulets, on les repousse. Je te jure. Surtout que notre véhicule, il est mort, il fume. Au niveau de la plage. Faut juste pas qu'ils viennent à la marina le temps qu'on sorte les véhicules. Si promène-toi dans pas les temps, on va essayer de choper des pick-up ou des SUV. Non, pas celui-là. C'est en face. Ouais, ça me plaît bien. Bien, il y en a un des deux, sauf le conducteur qui descend, qui lui met une balle dans la tête. Avec le Tech-9. Très vite. Balle dans la tête. Tu prends le véhicule. Allez, on trace. Un véhicule. Ouais, celui-là aussi, le Hummer, parfait. Molly, à toi. Ouais. Tu descends, balle dans la tête. Allez. Tu vas poser ton véhicule. Venez nous récupérer au parking de Paléto à gauche. J'arrive. Allez. Quelqu'un peut couper la radio?
On peut mettre un point GPS, s'il vous plaît? Par à droite. John, tu peux couper la radio de la voiture, s'il te plaît? Attends, c'est calme. Ah, j'ai... Tu arrives avec ton bidon? Avec ton bidon. Mais il est sur la radio ce con ou pas? Je suis même pas sûr qu'il soit sur la radio en fait. Ça ralentit un peu, il arrive pas sûr. Fond sur la pédale ou... Complètement. Oh putain, c'est quoi cette daube? Oui, oui, c'est pas ouf. Il est joli, mais il est pas ouf. Hein. Ah ouais, je vois ça. Vas-y, continue, continue. On va récupérer au niveau du pont, de toute façon, on est d'accord, juste avant les Lost. Normalement, oui. Je l'aurais montré sur la carte. On est en route avec les bateaux. Ça marche, on a 1,4 km. Vous allez arriver largement avant nous. Il va falloir être patient. Cachez-vous. On va se poser, mais personne descend de la voiture. Hein. Ok. Autre détail pendant que j'en vois un, mais attention au cougar. Ouais. J'aurai plus de retard que mon second, je dois aller voir, je dois aller discuter avec monsieur d'abord. J'ai plus trop d'essence. Hein. Discuter avec qui? Avec monsieur qui me file la mission. Ok, ok, ok. Là, tu montes à droite, on va se cacher derrière ça. Donc, cachez-vous bien. Je sais pas comment ça va se passer. Mettez-vous à 500 km de distance. Va te mettre au fond là, cachez-vous bien derrière. On est derrière les deux citernes qui sont juste au-dessus du pont. Ouais, Léo va au fond, va vraiment te cacher au fond, on manœuvre après. Tu peux couper le moteur. Tu sais pas le faire? Bah normalement j'ai éteint là. Bah moi je suis un temps encore tourné donc je sais pas. Ouais, moi oui. Aussi. Ok, j'ai les ordres, apparemment ils sont 7. Ok. Léo, coupe ton moteur. Moi ça fonctionne pas le moteur. Sors du véhicule au pire. Non, non, il y a des cougars. Ouais, bah malheureusement qu'il y en a un qui prenne le...
Enfin, le conduit, quoi. Ah, par contre, j'ai plus d'essence, hein. Ah, ça va être tendu. Ouais, ça va être chaud. Est-ce que vous avez tous des jerrycans d'essence plein? Non. Et justement, j'ai plus trop d'essence, moi. Ou en tout cas, les conducteurs. Sinon, le temps qu'on arrive, essayez d'aller à une station vite et de remplir un bidon. Mais n'y allez pas tout seul. Quitte à ce que les deux véhicules y aillent, vous soyez en sécurité. Ok, pas de soucis. Et pas les échanges de clés. Mais oui, donnez-vous bien tous les clés. Ça va où? T'as dit quoi? Je suis, on va voir où est-ce qu'il y a une station. Ouais, t'inquiète. Mais là, j'espère que ça va aller. Hein. C'est tendu. De ouf. Oh, m'a fait peur cette conne. B2, information position. Moitié rivière du sud. Ok, bien. Et les deux véhicules en attente? On repart, on vient de prendre de l'essence, on va se remettre en place. Ok, bien. Viens, on va faire le plein là-bas. Si tu veux que la montée se passe bien sans encombre, 50-60 c'est suffisant. De toute façon, on prend la fuite par bateau. C'est ça. Ouais. Faut bien que les bateaux soient pleins d'essence. Hein. Enfin, jamais une. Ouais, ça va être chaud. Un coup de droit ce bâtard si tu peux. Pour ça, j'espère quand vous allez arriver, Fred. Ah, oh, c'est chaud. Le matin, j'ai plus d'essence. Profitez pour faire les échanges de clés maintenant. Tu donnes les clés, ouais. Ça, après, tu descends et tu passes derrière. Comme ça, on sera sûr que ton moteur il sera vite. Est-ce que vous êtes en position, monsieur? Yes. J'y descends et passe derrière. Non, Molly. Réponse radio. Ouais, on est prêt. C'est clé, Léo.
C'est bon pour toi? Non. Commencez à venir sur la côte. Vite les clés. C'est pas grave. Par terre, prendre le volant, je fais le plein. Ah oui, mais c'est que ça me demande. C'est pas grave, ouais. c'est pas grave. Vas-y, prends le volant. Par toi, y aller, allez. Tu sais passer du siège passager au siège conducteur? Ouais. On va go. Positionne-toi à côté de moi. Surtout que j'arrive pas à mettre en fait. Mais j'ai plus d'essence. Blague. Comment ça t'as plus d'essence? Bah non. T'es où? Toujours en haut. Descends. Attends, reste dans ton bateau. C'est le fait que je sois pas remonté dedans. Attends. Yes. Et vous êtes en position là? Ok, vas-y. Merci. Messieurs, dames. On arrive. Let's go. Qui est venu nous chercher? On est juste à côté du bateau. On se rapproche de la route. Oui, t'abuses. Mais je sais pas comment dire, je suis fatigué. Pourtant d'habitude ta conduite elle est bonne. Ouais, mais je suis fatigué. Ah, c'est le stress là. Ouais, c'est ça, le stress et la fatigue, c'est pas bon ménage. Puis c'est pas ma voiture. Attends. Les équipes sont faites là? C'est qui avec moi? Molly. Et John. C'est pas les bonnes équipes les gars. Ok John, switch. Vite. Oh, oh putain. C'est bon. Les gars, vous foutez quoi là? On s'en fout, la première voiture passe par la droite et la deuxième passe par la gauche. Ah mais le bémol. T'as entendu? On prend à gauche. Allez, attention messieurs, ça va tirer. Vas-y, reçu, on prend à gauche. Tu t'arrêtes là, à gauche. Allez messieurs, bon courage, visez bien, visez net, visez propre. Arrête-toi. Gilet pare-balles si vous voulez. Et mettez les gilets si vous sentez, que ça commence à être limite. Allez, c'est parti. Mettez-vous à couvert si besoin est. Ok messieurs, ça commence. Tir croisé. Oh, au milieu.
Ok, éliminé. On rentre. Retour bateau, retour bateau. Ok, mon équipe, c'est le bateau droite. On se retrouve au bateau à côté de la fête foraine. Allez, allez, assieds-toi, vite, 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 vite. Ah, ça veut pas. Allez, go. T'arrives pas à t'asseoir là? Si, c'est bon. Faites attention au niveau des gorges. Fait bien le tour. Attention, accrochez-vous bien. Yo. Oh non, moi je vous ai dit de passer à droite, bande de trop de cul. Voyez aussi faire des trucs de fou là. Un petit peu ouais. Quelqu'un a pris une balle ou pas? Même dans le gilet. Ouais. Quelqu'un est blessé ou pas du tout, ou c'est juste le gilet qui a pris? Juste le gilet pour moi. Surtout, vous éloignez pas de la côte, hein, qu'on soit pas repéré par les gardes-côtes. De quoi? J'ai dit vous éloignez pas trop de la côte pour qu'on soit pas repéré par les gardes-côtes. Ouais, non, non, tranquille.
rapide et efficace là. Ouais, bon, on pensait que ça allait. Bah ouais, 7 trous du cul, ça change de d'habitude où ils arrivent à 20, 30. Ah oui, c'est sûr, c'est autre chose. Connard. Quelle bande de connards. Oh, c'est pas grave. Même sur l'eau, ils savent pas rester à leur place. C'est dingue, hein. Le bateau il est à vendre. On pourra le racheter, mais bon. On débarque sur le bateau ou y a pas besoin? Oh seigneur, j'en ai trois! Oh là là! Téléphone. Oh, c'est l'arc-en-ciel du bonheur. T'as quelle couleur? Les trois. Magnifique. Allez, on décolle. On part sur C. Alors, si on peut éviter de se noyer, ça sent pas. Je suis pas le bon bateau. Ah. On part sur C ou pas? Comment ça, C? Bah, pour aller chercher les trucs. Un dispositif de communication utilisé pour contacter le cartel Madrazo. Ah oui. Madrazo. Ah ouais. On va à Caillou. Les bateaux, qu'est-ce qu'on en fait? On va à Caillou. Marina. Quelqu'un. Mais non, on va à Caillou. Je tombe à l'eau. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. On va à Caillou. Non, mais habite-moi pas à Caillou. Non, on va pas à Caillou pour ça. Mais on va. Non. Tu veux aller? Ah bon? D'accord. Bah vas-y. Fais-en sonner hein, tu vas voir ce qui va se passer. Oui, bah c'est pour ça que je veux le faire sonner dans un. Bah on est 6, tous équipés, tous gilets pare-balles. Mais justement, on appelle. Soit on le fait à Sandy, soit on le fait à Grapside. Si on le fait à Sandy, faut qu'on pose les bateaux et au pire même, on les dépose là-haut. On prend des véhicules, on va à l'aéroport de Sandy. Tu sais le temps que ça met pour le largage? Je sais pas. Bah justement, on va le protéger. Entre 5 et 15 minutes. Ah bon? On va à Caillou, d'accord? Je vais pas claquer là-bas. Autre solution, on se prend des otages. Ou alors, voilà, faut des otages, mais on peut pas rester un quart d'heure comme ça à tirer sur tout ce qui vient venir vers nous. Hein. C'est pas non, on va pas tirer, on attend, et puis si on voit que ça arrive, bah on tire. On en a 3. Comme tu veux. J'ai envie d'essayer, même quitte à faire que le verre, je m'en les couilles. On essaye, mais dans ce cas-là, faut qu'on aille. Faut qu'on aille quelque part. Et au pire, on se repose là-haut. On retourne, on fout les bateaux Sandy. On prend des véhicules. Et on se fout soit Grapside, on va voir les. On va voir les Austin. On se fout à l'aéroport de Grapside. Et au pire, on se fout Sandy. Bah, sinon, il n'y a pas d'autre endroit. Hein. Un largage, tu veux faire larguer ça où? Caillou. Non, t'es mignon, hein, Caillou. Caillou, c'est pas nous. Hein. Je pense que si Caillou le sait, c'est pas bon ménage avec Madrazo. Ouais. Je préfère encore me faire péter par la police que la milice. Non. Non, mais ouais, c'est Sandy et Sandy ou Grapside. Vas-y. Mais du coup, on remonte direct à Sandy. Vas-y. Allez, c'est parti. Mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes prêts. C'est fini la soirée. On avait pu comprendre. On est là. Va falloir serrer les fesses, moi je vous le dis.
Du coup, petit débriefing, c'est par rapport à ce qui va se passer là. Ouais, en gros, c'est téléphone satellite. Et en gros, ça permet d'avoir des livraisons par le cartel de Madrazo. Sauf que quand on appelle, alors ça dépend des fois, mais normalement, ça alerte toute la ville. Ça veut dire que sur tous les GPS, il y a un brouillage qui fait qu'ils voient l'emplacement. Police, PMS, ville, tous. Il n'y a pas que un, c'est tous. Tout le monde a le brouillage sur le GPS qui fait que ça apparaît. Ah ouais, ça j'ai. Donc, pour ça que je gueulais pour Kayo. Ok, d'accord. Donc là, il va falloir serrer les fesses, mais bien, bien, bien les serrer. Ah, au final, Kayo, ça aurait été la bonne solution. Mais oui. Bien, c'est la petite surprise supplémentaire. C'est toujours une surprise. Un plan qui se déroule sans aucune modification, ça n'existe pas. Non. Ok, trois choix. Grapsid, Sandy Shore ou la plage de... Je de Paletto. À Paletto. Bon, second, il en pense quoi de sa connerie? Moi j'en pense que c'est pas les taux, hein. Comme ça on se fait pas chier. Hein. Et d'emmener que les flics ils sont directement sur, sur la freeway. Ils ont juste à faire une ligne droite. Alors que Sandy ou Paletto, faut qu'ils passent par les montagnes et les villes, c'est un peu chiant. Tu veux aller où là? Toi tu veux aller où? Tu préfères Sandy? Je sais pas, j'attends la vie parce que c'était pas prévu comme ça, donc j'y ai pas réfléchi. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise solution en tout cas dans tous les cas donc après on peut aller le faire pas loin de la voie du bûcheron hein. Ça nous laisse 3-4 zones en gros pour bouger hein. À voir, faut qu'on en discute. T'as vu qu'il y en a déjà un en cours là? De quoi? Il y en a un en cours. De quoi? De largage. Quoi? Comment tu sais ça? Bah GPS. On un Grapsid instant, ils sont en Grapsid, tu vois. Go. Allez, go, c'est parti. On dépose les véhicules et on commande les ranges. Et on se bouge le cul et on va aller voir ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, mais si jamais. Ah bah tiens, tu vois, il y en a quand il est couille. Ah, vous êtes juste des petites bites. Oui, sur votre GPS, vous? T'as dit quoi? Moi, je vois rien sur le GPS. Si, c'est une petite montgolfière. C'est une montgolfière rouge. Ah, au putain, niveau de l'aéroport. Oui. Enfin, voilà, t'as compris. C'est au niveau de la ferme. C'est ça, juste en dessous de la ferme. Qui a eu les couilles de le lancer, mais ouais, c'est peut-être les hostiles. Il faut faire à côté de chez eux. Hein. Je pense qu'il y a de grandes chances que c'est de ça vient des hostiles, mais oui, tu vois, tu dis les couilles, mais moi je suis sûr que c'est les hostiles qui ont eu des problèmes avec les Lost il y a pas longtemps et ils font ça chez eux, tu vois, à proximité, comme ça ils sont tranquilles. Ouais, ils sont tranquilles pour se faire péter, ouais, surtout. Sauf que le problème c'est qu'on n'a pas de voiture. On va doper une voiture sur la route. Va aller. On n'a pas de téléphone.
Aucun d'entre vous a gardé son téléphone en mode avion? J'ai gardé le mien et je tombe à la flotte. Pareil. Faut taper le premier véhicule qui passe sur les routes. Puis j'ai une sentier. L'endroit que j'aime pas. Ça a l'air délicat. Ok, on a un véhicule. Topé dans un deuxième, là on arrive au niveau du pont. On a 6 places. Sérieux? Vous êtes où là? Ouais, dépêchez-vous, on descend vers la montée du bateau. Dépêchez-vous. La montée du bateau? Ouais, bah je suis au niveau du pont là. Oui, bah allez-y. Vas-y, bah on va monter à... Commencez à monter, on vient vous chercher. Vas-y. On va larguer le bateau là, on va mettre l'angle, vous montez à gauche. Allez-y, go. Mais vous êtes où? On arrive. Tout là. Bah, au niveau des bateaux. Mais quel bateau? Je t'ai dit, on est parti au niveau du pont en haut de la montée. Au pont là, au niveau du point d'extraction? Non, celui où vraiment. Parking à bateau. Il y a un parking au niveau de. Ouais, après. Bah, attendez, on arrive. Putain. Go, revenez. Allez, messieurs, on se dépêche, on se dépêche. Je te laisse conduire. Si on les perd, on s'en fout, on en reclaque un. Bah, le truc, c'est que j'ai pas vu sur le GPS depuis combien de temps il était. Je sais pas, mais apparemment il est encore en cours. Donc allez-y, dépêchez-vous. Ah, je crois qu'il reste une demi-heure. Hein. Ouais, vas-y, encore plus. Mais après, oui, ça, je t'ai dit, c'est un truc de ouf. Et bah, putain, vous êtes où là? On arrive, on s'était arrêté bien en avant. T'as dit pont du bateau. T'as dit parking bateau. Il hein, y a un parking bateau. On est devant, ouais, vous rangez le bateau, vous montez et vous montez dans les véhicules. J'arrive. Dans le véhicule. Pute. Allez hop 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 hop. Bon, messieurs, tenez-vous prêts. Hein. Messieurs, dames, pardon. Ah oui, ils ont tapé là. Dans une zone dangereuse. J'ai vu personne. Mais bon, je suis sûr qu'il serait caché, c'est con.
Appelle les Austin. C'est sûr, ils sont sur le coup. Quelqu'un a un numéro, enfin un téléphone ou pas du tout? Pas du tout. Mais non, c'est mort. Il y a une supérette en bas, va voir s'il n'y a pas un téléphone. C'est mort. On avait vraiment pas de téléphone, putain. T'as le scanner radio ou pas? Non. Oh, si, j'ai le radio. Regarde. Regarde dans les radios, normalement il y a. Ouais, mais vas-y pour trouver laquelle. Non, mais je l'ai noté directement. J'ai noté. Faut juste que tu regardes. Ouais, je vais essayer. Tu essaies d'entrer en contact avec eux ou pas? Ouais, ouais, c'est laquelle? 44-89. Très bien, allez, go. Je me mets dessus et on écoute. Quelqu'un sur cette radio? Quelqu'un sur cette radio? Austin, vous êtes là? Bon, gardez à l'œil. Ouais, j'ai des jumelles, parfait. Ouais, j'en ai aussi. Quelqu'un répond à cette radio. Largage sur Grapid. Oh bah, c'est pas compliqué de le remarquer quoi. Qui a pas voulu? Comment ça, vous les avez pas achetés? Ah, c'est compliqué là, du coup. Ouais, je voulais savoir. Et sinon, je... J'ai mes informations. Pas loin, mais assez loin du largage. À côté du parking, on est armé. Évitez de vous approcher. Évitez de vous approcher, on est armé. Savoir ce qui se passe. Très bien, très bien.
Et quand on s'arrache, on va faire le note. Moi, faire les deux. Hein. Après, vous inquiétez pas, j'ai les miens à faire. Allez, on décolle, on va à Sandy. Oh. C'est eux. Ouh. C'est en cours, on y va, on y va. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Faut qu'on se barre. On dit à nous de nous barrer là. Oui, t'en fais pas. T'en fais pas, on va aller à Sandy, on va faire un largage. Bah les couilles. Non, mais le respect. Ils vont faire. Ils vont potentiellement dessus jusqu'à Sandy. Hein. Respect. Le respect. Monsieur. Oui, alors faites attention à qui vous parlez quand même, messieurs. Arrête-toi. Arrête-toi. Bien, bah parce qu'elle a arrêté de nous suivre à partir de là et je rentrerai pas chez vous. Arrête-toi. Et à Sandy, vous allez être chez vous? Dans ce cas-là, vous approchez pas de l'aérodrome. Je vous aurais prévenu. Préfère. C'est sûr, ils ont eu le langage. Il fallait. Non, sa mère. Ah, sa grand-mère. Ah, ça. Comment vous allez, messieurs? Ça va, ils ont été projetés. Ils devraient pas avoir grand-chose. Ça va? Tu saignes, toi? Je saigne ou pas? Prends les IFAX, prends les IFAX. Tu veux saigner les IFAX, hein? Ouais. Jusqu'à temps que ça s'arrête et après bah vous bouffez des bandages. Faites vite, on est en face du commissariat de Paléto. Sinon on vous ramène chez mamie. Hein. Tu saignes encore ou pas? Attends, pour l'instant c'est mal. Tu saignes? Je... Sinon on te ramène chez mamie. Hein. Vas-y, venez. Ah, on peut pas aller chez mamie avec cette merde, ça va être trop long. On a pas le choix. Je sais pas qui c'est qui a les clés, mais donne-moi les clés. Vas-y. Super là. Prends. Pierre, j'avais pris d'autres. On va à Sandy. Est-ce que tu vas tenir? Ouais, ça va le faire. T'es sûr? J'ai pas grand chose. Ok, on va à Sandy, on fait le truc. Ça m'a l'air de se stabiliser. Par contre, tu le fais là, non? Oui, mais en fait, il est véhicule, on va pas se barrer avec ça. Hein. Mais non, mais justement, vas-y, viens. Il nous faut deux putains de téléphones. Mais on au va moins aller un. Chercher des téléphones, attendez, on va passer par là. Il y a un parking là, un peu plus au sud, sur la gauche. Mettez-moi un point de vue. Là. Ouais, nickel. T'as arrêté de saigner ou tu saignes encore? Ça, je suis juste irrité en fait, j'ai pas de saignée. Ah bon, ça va alors. Ah, fais gaffe quand même. Mets-toi un bandage ou deux, ça devrait passer. Ah, c'est ce que j'ai fait. T'as encore ton gilet? Non. Bon bah tu te foutras en repli. Mettez-vous bien. J'ai pas de gilet en plus. Au pire, j'ai un petit peu de weed si ça vous intéresse, histoire de vous remettre vraiment bien. De weed? Ouais, j'ai shooté un mec, j'ai récupéré le weed. Je voulais prendre un téléphone, mais bon, il en avait pas. Eh, on récupère des téléphones comme on peut. Hein.
quand on va arriver au parking là, vous allez tous derrière, vous vous planquez derrière. Ok. Niveau balle, vous êtes comment niveau munitions? Pour moi ça devrait aller. Moi j'ai pas utilisé le chargeur. Combien? Combien qu'il faut? Dites-moi les chiffres pile. 154 pour moi. Ok. L'autre. 31. En tout? Non, 131. Ah, 131, ok. Et madame? 1,6. 160? Là, j'arrive. Ouais. Ok, parfait. L'autre MP5, t'as combien toi? 130. 130? Ok, 180. Ok, parfait. On a ce qu'il faut pour tenir si jamais il si faut tirer. Niveau soins, mettez-vous. J'ai mettez-vous tous à fond. Tout ça, moi. Je, sais pas si c'est je vais te donner. Vas-y, donne, au pire j'en ai. Mettez-vous tous bien à fond comme vous pouvez. Merci. Merci. Putain, j'ai perdu mon téléphone moi aussi là. Ça va les gars? Dépêche. Ouais, ouais. Ouais. Un peu handicapé, mais pas hors de je vois ça. Donc je sais tenir mon arme. T'es encore blessé? Oui, ça va. Ouais. Et ça va, je sens. Tiens, remets-toi des bandages. T'as pas pris de balle, toi hein? Non, moi j'ai rien eu. Attaque. Non, zéro balle. J'ai encore mon gilet et tout pour donc ça va. Moi, le mien, il court tout neuf, je l'ai pas mis. Ouais, pareil. Bah, mets-le. Hein. Ok. T'as mis ton gilet, Léo? Ah ouais, je l'ai mis, t'inquiète. Voiture ou quoi? Ouais. Est-ce que l'un d'entre vous a un téléphone dans une de ces bagnoles et est sûr de lui? Je devrais peut-être avoir, je saurais pas dire laquelle. Moi non. Oui, mais alors laquelle, je sais pas. Normalement, je dois en avoir. Non. Sinon, faut taper tous les petits merdeux dans le coin jusqu'à taper un avec un téléphone. Ouais, non, c'est pas pratique. Bon, je m'y mets. Si vous êtes sûr que vous avez un téléphone où il y a un véhicule où il y a un téléphone, je te filerai de la thune. Il nous faut un putain de téléphone.
Au pire, on a combien de dans le bateau, j'en ai, mais là c'est loin. Et à quel garage ici? J'ai. Putain, ça casse les couilles. Ça prend un téléphone. Oh oui, t'en as un. Oh, je t'aime. On se le passe et on appelle. Ouais. Range-le. Donne-moi-le, je sais où je peux en récupérer. J'en ai un ou deux aussi dans un autre. Non mais j'appelle mon ange. Et l'autre il va rappeler son autre ange. Oui, mais donne-moi le téléphone que j'appelle un véhicule où je sais qu'il y a deux téléphones à l'intérieur. C'est mon ange, je vais le chercher. Vas-y. Ok, c'est bon, j'ai mon ange, on a récupéré un téléphone. B3 vient. Là, monte. Et tu as évité de te balader. Merci. Ah, attends, il va appeler son range. J'ai un téléphone, moi. Et il est où l'autre? Attends, il va appeler son range. Ils sont à l'arrière. Ils sont où les deux autres? Ils sont où les autres? Ouais, ils sont là. Viens, rentre. Ah putain, je les voyais pas. Qui c'est qui a un range là? C'est qui? Toi, là. Tiens, bouge pas. Il est où? Ah putain, bah ouais, vas-y. J'aurai pas de téléphone, tant pis. Mais attends, je vais te redonner le gris. M'en fous. Je vais filer. Vas-y. Tiens, pendant ce temps-là, appelle ton range. Et après on y va et on trace. Voilà. B3, viens avec moi. Du coup on fait comment là, du coup, sans téléphone et tout? Là pour l'instant on a récupéré des téléphones, donc on appelle nos véhicules, on va à Sandy, on fait l'appel et après bah c'est Bagdad. Hein. Ok, d'accord. Je vais la fracasser son valet. Voilà. Bon allez, on décolle. On décolle, on y va. Oui. On a pour à fuir devant eux. Ouais. On s'en fout, montez, on se casse. Allez, Sandy, l'aérodrome. On se fout en plein milieu de la piste. Par contre, pas un choc à rien du tout. Ouais, je sais, c'est moi qui dis ça. T'as entendu B1 ce que je t'ai dit hein, pour les Austin là. Ouais, t'inquiète. Eux, s'ils commencent à faire trop les malins, ils vont vite redescendre. Non, mais là, on aurait dû s'arrêter. Hein. On aurait jamais dû les laisser nous chasser comme ça. Hein. T'inquiète. Chaque chose en son temps. Non. Le respect, ça se garde. S'ils commencent à avoir plus peur de nous, un jour, c'est eux qui nous attaqueront. On fait ça où? En plein milieu de la grosse ici, truc? Ici, là, ici, vas-y. Ok, bah mettez les véhicules prêts, on s'en bat les couilles. Fais gaffe parce que... Ouais, fais lequel? On fait lequel? J'en ai trois. Vert, rouge ou jaune? Vert, c'est de la merde. Le rouge et le jaune, je sais pas ce que c'est. C'est le jaune, il me semble plus. Vous avez encore l'essence sur vous? Eh bah, messieurs, on va faire le jaune. T'as plus d'essence?
Non, non, mais t'inquiète, il a... Bagdad. L'avion sera dans les airs et caisse bientôt, vous serez contacté. Ok, allez messieurs, en position. Foutez-vous un peu partout. Oh oui. Okay. Et mettez-vous très près. Enfin, merde, c'est pas grave, s'en fout. Peut-être rester planqué derrière les deux véhicules. Les trois recrues de part et d'autre de la piste. Attends, je bouge un peu le. Je vais foutre derrière les buissons. Je t'ai pas entendu radio. Non, c'est... Mets-toi dans un buisson à côté du 4x4. Revenez sur notre radio 6847 s'il vous plaît. Ouais ouais, c'est 6647, tout le monde radio tout. Monde. T'as la radio? Parfait. Tout le monde reste bien, bien près. Pas derrière les arbres, trop près. Enfin, trop loin, entre guillemets. Pas assez à couvert. Au sol, c'est bon ? Non, limite, viens de foutre à côté des véhicules. Largage en descente. Non, sérieux déjà? Ils sont rapides les Madrazo. Ah bah là, ouais, on a eu de la chatte. Hein. Faites gaffe où tombe le collier, le prenez pas sur la gueule. Attends, ça se trouve, ils font un tour. Ah oui, je vois, il arrive, il descend. Vas-y, je réceptionne. Oh, c'est bancal qu'on me descend. Un peu, ouais. On décolle. Ok. C'est pas possible, y'a pas que ça. Y'a pas que ça. Mais si. Mais c'est un jaune. Y'a quoi? Et le rouge? T'avais quoi comme rouge? Je vais péder les trois. Y'avait quoi dedans? Trois scorpions. Trois scorpions, c'est déjà pas mal. Quoi? Ah non mais voilà, vous êtes radins les gars. Et 3 scorpions pour buter 7 mecs. Non mais c'est ce que j'allais dire, t'as tué 7 mecs mon frère. Ouais bah putain ça pue. Bref, appelle les autres, tout le monde en position. Allez, c'est mardi. Non c'est mort, y'a pas de créneau. Non on décolle, on peut pas en rappeler. Ou alors faut se décaler. Et là, on n'a pas d'aérodrome dispo. Les 3 scorpions, c'est 200 000. Hein. Ouais, je sais, mais bon. Vas-y, viens, on va à l'autre bout de la piste. Vas-y, au pire, on attend. On se fout en stand-by. Non, on va au bout de la piste. De l'autre côté, sur la deuxième piste, tout au bout. Vas-y. Prenez votre véhicule, on va aller au bout de la piste de la deuxième piste. Tu roules ou quoi? C'est pas moi qui ai volant, si? Vas-y. Vas-y. Oh ça va, la pression. Putain. Ouais, j'ai la haine. Mais ça va, abuse pas, c'est pas à la mer non plus. Ouais, par rapport à nous. Allez, vas-y, claque-en là.
À voir, ouais, si on peut. Non, on peut pas. Non, je pense qu'il faut attendre. Ok, donne-moi un. Essaye. Non, mais sinon on en craquera un tous les jours. On bat les couilles. Non, non. Non, non, on en craque un demain. Bah putain, si tu me dis que les autres c'est de la merde. Le verre, ouais, c'est de la merde. Si c'est pour avoir deux digueules au prochain. Ça dépend, hein. Parfois il peut te larguer des trucs de fou. Hein. Oh ouais, non mais. Putain. Mais ouais, mais vas-y, me casse les couilles. C'est les quantités en fait qui sont pas. 3 scorpions, j'en ai déjà 6. On va avoir 9 scorpions à vendre. C'est 200 000. Ouais, bah ouais, ouais. Et on en a besoin pour avoir vendre ces enchères. Oui, je sais, mais bon. Je t'avoue que une batteuse, enfin pas forcément une batteuse, mais tu vois, une MP5 ou quoi que ce soit, ça aurait été sympa. Bon bah allez, on décolle. Je sais pas qui c'est qui a les clés dessus là, mais filez-moi. Eh, hey, il reste pendant longtemps. Je sais pas s'il y a plusieurs largages. Hein. Non, il y a qu'un largage. T'es sûr? 100%. Et la zone reste affichée. Ah bah non, c'est bon, il vient de dépop. Notre zone vient de partir. Attends. J'essaie d'en rappeler. Hein. Je suis toujours sur la zone. Vas-y, on est en stand-by. Ah, pourquoi eux, la zone, elle disparaît pas et la nôtre, oui. Bah, la note était pas supposée disparaître aussi vite. Bah, souviens-toi, ils y ont pas donné. Hein. C'est pour ça, en fait, si ça se trouve, ils sont, c'est pas encore là-bas. Et, oh, ouais, j'allais dire c'est dangereux, mais si ça se trouve, elle est tombée entre temps et ils sont pas allés la récupérer. Mais... Je sais pas. Moi, je pense vas-y, on décolle. Des gros châteaux de la mort. Vas-y, on décolle, on retourne au stockage. Bah oui, au pire on s'en fout. Les hostiles, faut qu'ils prennent une leçon. Ah, ils veulent la guerre, les hostiles, hein. Justement, là, on aurait dû s'arrêter et leur défourailler sur la gueule. Hein. Ah, mais vu ce qu'on avait. On avait un véhicule de merde. Je te rappelle, on n'avait pas téléphone, si jamais le véhicule est mouru, c'était la merde. Ouais, y'avait du civil autour, hein. Ouf, oui, enfin... j'ai pas envie de créer une guerre civile à Grapside, quoi. On vient de se mettre à genoux devant eux, hein. Pas bon. Oh, t'inquiète pas. S'ils auraient voulu, ils seraient venus à Sandy, hein.
briefing. Ouais. On est à la villa. On est dans le sous-sol. Non, on aurait dû leur montrer qui on était là. On aurait jamais dû les laisser nous tirer dessus, enfin nous faire fuir. Jamais dû se barrer. Hein. On aurait dû descendre et les shooter. Hein. Billy, c'est il est une cible. Hein. Bah, Billy est une cible jusqu'au moment où ils attaquent Billy et puis ils vont mourir. Ouais, mais justement, on aurait dû leur montrer qui on était avant. Là, ils te disent de te barrer, on aurait dû descendre, foutre le pied à terre et les canarder. C'est pas chez nous, en fait. Mais j'en ai rien à foutre qu'on soit pas chez nous. Ils sont pas chez eux non plus. Se taper les 40 signes qui sont derrière aussi, faut faire gaffe. Hein. Putain, ça pète les couilles là. Ils auraient continué sur Sandy, on descendait, on les démontait. Oui, là par contre, oui. Mais là ils sont restés sur Grapside. C'est-à-dire, tu vois, ils vont rien faire à part sur Grapside. On a été sur Grapside pour voir ce qu'il fallait, ce qu'ils faisaient. On avait rien à faire là-bas. En soi, on avait les nôtres. On aurait clairement pu les taper. Taper les nôtres directement, c'est ce qu'on a fait. Nous, on est venus pour aller voir. Eux, ils sont pas venus. Alors qu'ils auraient pu venir, tu vois. Ouais. Sauf que c'est des Mongols, donc la technologie, je suis même pas sûr qu'ils aient 2 GPS. Bah, je sais pas, parce que quand tu regardes, il y a encore. Donc... Ouais, c'est des Mongols, il a été largué, ils ont pas vu le parachute, et puis le colis, il traîne au sol, hein. Tant qu'il sera au sol, le colis, de toute façon, le truc, il va rester. Hein. Ouais, je me doute, mais bon. Ouais. Et c'est des Mongols, hein. Personnellement, voilà, c'est leur affaire. Nous, le nôtre, il a été fait, il n'y a plus rien, hop, point barre. C'est, je sais pas... Il est gentil, Madarazo, mais putain, pour 2 scorpions... Bon, enfin, 3 scorpions. Bon, enfin, bref. Vous avez bien bossé les recrues. Ouais. Voilà, on en demandait pas autant, mais bon, c'est très bien. Vous allez revenir vers moi tous et me redonner les armes qui vous ont été données. Voilà, fout dans le stockage. Et pour une autre sortie. Bon, s'il y a tout le monde demain, j'ai envie de te dire, on fait pas demain. Hein. Si vous avez pas enfilé les pare-balles, donnez aussi. Ah, moi j'ai enfilé le mien. Ouais, j'avais enfilé le mien aussi. Vas-y. Vas-y, fac. Non, ça tu gardes. Essayez de passer à l'hôpital. Histoire d'avoir quelques IFAC et quelques bandages. Vous les achetez là-bas, je crois que c'est 5 par 5. De façon à être suffisamment... Sachant que j'en ai encore 19. Ok. Attends, les flics. Donc ouais, essayez de faire en sorte d'avoir tout ça. Et comme ça, on continue. Et essayez d'avoir 10 000 $ toujours sur vous. Là, les 10 000, vous les gardez. Mais essayez d'avoir toujours 10 000 $ sur vous en cash. Parce que si un jour l'un d'entre nous il se fait tirer dessus, on a la mémé en gros qui peut nous soigner. Sauf qu'elle est plus ou moins gourmande, entre 5 et 10 000, ça dépend. C'est plus souvent 5 000, mais ça peut arriver qu'elle demande 10. Donc gardez toujours 10 000 sur vous. Ok. C'est bon pour tout le monde ? Ouais, c'est bon. Ok, bon, je range les pétards. Puis allez vous installer dans le salon si vous voulez. Et nos papiers, du coup, on les récupère à quel moment? Ah ouais, je vais vous les monter. Ouais, ok, pas de soucis.
fait, si je sais pas comment ils étaient armés, mais si jamais ils étaient armés au pistolet, de quoi arriver avec, en face avec 3 MP5 et 3 Tech9. Ouais, facile. Donc bon. Mais par contre, il y a 3 scorpions. Putain. Un truc pour un truc que ça s'affiche sur tous les GPS de tout le monde. Putain, la quantité elle est un peu. On teste les deux autres, on voit ce qui rapporte le plus et ce qui est le plus bénéf. Ça va toi? Et au pire des cas, si ouais, ça voit va, ça va. C'était très effrayant, mais ça va. Et toi, John? J'ai vraiment besoin. Non mais. Ok. On va faire dans l'ordre. Monsieur Tessier en premier. Ok. Monsieur Bonnet. Parfait, merci. Et mademoiselle Winsor. Vas-y, Molly. Merci. Merci, mais c'est pas les miens. Ah bon? Non, c'est ceux à John. Pourtant, c'était bien marqué ton nom dessus. John, t'as eu. Ah oui, ouais. Ah ouais, bah, si, moi, c'est bon. Ok. Quand vous venez ici, quand vous savez qu'on part faire une OP, évitez de prendre vos papiers avec vous. Ou laissez-les dans un coffre de véhicule ou quoi. Ok. Ils ont les clés d'ici ou quoi? Non. Non, je l'ai pas fini encore. Il n'y a que madame, je crois, qui les a. Oui, moi je les ai. Est-ce qu'il faudrait qu'ils puissent ouais, tu veux ranger... faire quoi bah, faut qu'ils puissent ranger leur bagnole quand ils viennent ici. Comme ça, ils mettent leur papier dans leur coffre et tout, ça évite... Très bien. Qui c'est qui manque? Là, toi. Tu es Arthur? Ouais, impec. Allez, bouge, toi, viens là. Tu les as reçus? Parfait. Ouais, ok, très bien. Même règle pour que le reste. Il y a un truc qui bouge d'ici. Vous ressortez les pieds devant, je vous jette de la montagne direct. Il n'y a pas de discussion à avoir. On vous fait confiance. Trahissez pas notre confiance. C'est clair? Oh non, c'est clair. Bon. Ok. Ah, les téléphones. Quelle heure, là? Bon, mais bah, je pense que c'est bon pour la soirée. Ouais, c'est carré. Je pensais pas faire autant, mais bon. C'est intéressant, bon. Intéressant. À voir ce que les deux autres apportent. Demain, il y aura qui? Moi, je serai là. Ok. Hein? Moi, je sais pas trop. Sûr. Ok. Ouais. À ma droite. Ok, donc on sera 3. En face. Ah, t'es là sûr pour moi. Ok, et tout à droite. Bah, fidèle au poste. Hein. Ok, donc on sera 4. En vrai, ça se tente. Peut-être 5, on verra. Ok, bah on verra. Sinon, je tenterai le rouge. Ouais, il faut que t'essayes le rouge. Tous, je vais tous y faire. Oh, on fout. Ouais. Si ça se trouve, en fait, si ça se trouve, le vert est peut-être mieux que le jaune ou quoi que ce soit. Vert, je crois que c'est entre 200 et 500 de 8. Oui, mais on peut pas savoir. Ouais, après c'est une cargaison aléatoire, hein. Faut voir avec le madrago. Ah. C'est pour ça que si ça se trouve on a eu ça, mais si ça se trouve c'est le pire de ce qu'on a eu, tu vois. Ouais. Le pire serait déjà énorme. Oui, en soi la cargaison pour la refiler
Bah j'ai envie de te dire, faut le faire avant la mise aux enchères. Faut passer 3 avant la mise aux enchères. Et dès qu'on a fait ça, on s'organise la mise aux enchères dans les jours qui suivent. Ouais. Et qu'on s'organise un minimum être 6 de notre côté. Et 7 avec le dernier. Ouais. Et faut qu'on soit minimum 6 voire 7. Sinon on peut pas. Parce que étant donné qu'en face ils vont être le même nombre. Voire plus. Après, faut mieux même que ce soit 6. Pas le père Doudou et puis son petit trou du cul là. Quand? Pour venir avec nous à la mise aux enchères et puis on les met sur le fait accompli avec nous. Bon, après, ils peuvent toujours y participer. Hein. Doudou, je pense qu'il a dû récupérer pas mal d'argent. Et je pense après les autres, ça peut toujours être intéressant. Bah, je me dis, il y a moyen de récupérer du blé hein, sur une grosse action comme ça. Étant donné que nous on récupère des cargaisons, et en plus ceux-là, ils sont déjà en lot. Donc je vais pas les détacher pour l'instant. Et puis comme ça on fait un lot de 3 scorpions. Et on les revend directement sans munitions. Cette fois on s'en bat les couilles, on file pas de munitions. Et puis bah ils se démerdent. Hein. Ah bah mais non. Okay. Bah non, les munitions c'est nous qui les vendons. Je pense pas qu'il y en a qui puissent se procurer des munitions par chez nous. De pistolet mitrailleur. Et étant donné que dans les scorpions on a besoin que de ça, faut qu'on fasse un lot de 15 munitions avec 5 chargeurs par arme. Ok, de toute façon on en discutera quand on aura fini les trucs et on verra quoi qu'on met aux enchères, que ce soit information, armes, drogue, etc. Mais dans ce cas-là, il faudra s'organiser bien avant. Bon, très bien. Messieurs, on se retrouve demain. Il n'y aura pas autant de préparation qu'aujourd'hui. Étant donné que, bah. C'est juste, on va à un endroit, on fait un largage, on récupère la cargaison, on se casse. Donc, si on peut le relancer, ouais, pareil, 21h30, 22h. Ça peut être très bien. Je vous attends. Enfin, demain, en tout cas. Et puis bah bonne soirée à vous et bon courage. Ouais c'est carré. Merci bien. Merci. Attendez, restez là vite fait. B1 viens avec moi vite fait. Faut qu'on voit vite fait. Qu'est-ce que tu veux toi? Non bah attends. Je peux juste récupérer. J'ai pas compris. Je peux juste essayer de récupérer mes téléphones. Par contre. Du coup, j'en avais lancé un avant de partir en bas et j'en ai un. Tiens. J'ai peur d'en avoir un. On... Bon, messieurs, dames, avant de partir. Non, faut plus tard. Il y en a un qui est ouvert. Ah. Ben je pense. Hein. Merde. Vous voyez après ou pas? Est-ce qu'il y en a un de vous qui a les yeux ouverts? Les yeux ouverts? Oui, les yeux ouverts. Léo. Est-ce que t'as les yeux grands ouverts? Léo, oui, il a les yeux grands oui, ouverts. Oui, il les a. Donc, oui. Léo. Bouge pour l'instant, va dans la cuisine. Il n'y en a pas d'autres? Non. Très bien. Ah, c'est fou. Voilà, faut que ça reste entre nous, ça. Ah bon, bah je m'en vais alors. Toi aussi? Ah, ok. Putain, ah, oui. Tant pis, donc ça sert à rien. Ah putain! Ah ouais.
Allez-y, vous pouvez revenir, les gars. Désolé. Ouais, t'inquiète. Malheureusement, les muros des oreilles, on sait jamais. Bon, messieurs, finalement, changement de programme. Demain, il y aura rien. Demain, ah, pour l'instant, il y aura rien. 22h, il y a l'ouverture du Cocatos. Donc, ouais. 22h, tout, ben 22h, 22h30, tout le monde là-bas. Vas-y. 22h, tout le monde là-bas. Enfin, si vous pouvez, évidemment. Si vous pouvez pas, tant pis. On boit un coup, on paye des coups, voilà, paf, paf, baf, on boit, on discute, on s'amuse. Et après, tout le monde en tenue et on part et on fait un largage. C'est bon. C'est bon pour vous ? Putain, ils ont encore leur largage, mais qui sont branlés ? Bah, ils l'ont peut-être pas récupéré. Hein. Il te l'a dit tout à l'heure à la radio, ils l'ont pas récupéré, ils lui ont pas donné. Oui, mais bon, regarde, nous ça a très bien marché. Je comprends pas. Ouais, mais ça se trouve, ils ont pas mis le même que nous. Ouais, ça se trouve, ouais, je sais pas. On verra demain. Oui. Ah bien, c'est pour ça que je veux le faire à Sandy et que je veux le faire. Bon, non, messieurs, bonne soirée, moi de toute façon je m'en fous, je vais dormir là. Passez une bonne soirée, bon courage, travaillez bien. Ouais, merci. Faites des gosses et puis à une prochaine. T'entends Léo ? Salut. Eh, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Eh, je veux personne dans ma chambre. Moi, je vais me changer ici. Ou Ouais, moi aussi. Oh, moi, je dors. C'est ici, non ? Faut faire un dodo. Mais t'es sûr que c'est là, ça n'a pas été déplacé, comme on disait. Alors là. Il me semble. Non, c'est pas. Vraiment. Je pense que c'est en. Ouais, parce que toi dans le monde tu devrais y avoir accès. Ah. Mais oui, c'est bizarre. Ah non, c'est sûr, il y a en haut. Hein. Bah, tout à l'heure, je me suis changé là. Ah ouais, il a pas déplacé entre deux, c'est possible. C'est où qu'on se change ? Ah, oh, venez. Ah. Oh bah, t'avais raison. Il m'a dit qu'il partait pioncer. Et il voudrait changer au moins. Oh putain, Yves. Putain. Peut pas pioncer tranquille. Cassez-vous là. Allez, Molly d'abord, parce que les femmes d'abord. Merci. Bon, au fond, les deux, il y en a aucun qui regarde. Si on vous en prenait une chacun. Je sais qu'il y en a un des deux qui est en couple avec, j'en ai rien à foutre. Ma maison, mes règles. Bien. D'ailleurs, c'est lequel ? Attends, c'est lequel des deux déjà ? Je sais plus. C'est John, je crois, non ? Faut pas attribuer de nom de code alors. Hein. Bon, en tout cas, on me l'a pas dit. Quoi ? Non, on s'en fout, c'est entre nous. C'est bon pour moi. C'est qui est avec Molly ? C'est toi, je crois, non ? Ah, c'est moi. Ah, c'est toi ? Ouais. Mais bah, il pouvait pas le dire avant. Putain, je dois vraiment s'en prendre une, lui. Oh là. Il y a un client qui qui revenait me donner la MP5. Qui ? Ah ! Bon, par contre, le scanner dans le cul. C'est pas grave, s'en fout, je m'en rachète rien. Bah, tiens. Centaurus, mes couilles. Là, on leur achète les deux. Comme s'ils en ont pas. S'en bat les couilles. Eh, qui t'a filé 100 000, genre. J'ai plus de téléphone, vas-y, je verrai ça demain. Ça va. Oui, non, mais vois ça demain, tranquille. Mais cassez-vous de ma chambre là. Par contre, leur soirée demain, c'est bal déguisé, les gars. Oui, oui, c'est bal masqué. Mais mettez tous en foulard.
Je vais mettre cette tenue là, je vais rajouter un foulard. John, t'as ta bagnole toi dans le main, non? Putain, elle est où la sortie? Derrière. Non, faut pas. On va pas prendre solo. Je vais ranger mon range. C'est quoi, je vais faire appel à moi. Du coup, il va falloir... Bon, allez, bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée. Oui, pas de soucis. Ramenez-moi. Plus c'est con. Ramenez. Et où? Putain de merguez là. C'est sûr qu'il t'a mis derrière. Non, non, mais j'ai pas... pas eu du tout en fait. Oh, putain, je le rappelle, ça va chier. Ah bah le v'là, putain. Ah t'as raison, ouais, dégage. Pousse-le pas. Tu peux m'emmener aller chercher un téléphone, s'il te plaît? T'as plus de téléphone? Non, j'en ai plus, non. Ah pourquoi tu l'as pas redemandé, il te l'aurait redonné? Bah... Non, t'es tombé dans l'eau. Bah oui. Ah putain, j'en avais un dans mon range quoi. Vas-y, remonte, je vais aller, je vais sortir mon range. J'en ai un. Mais bon. On passe à l'infirmerie avant. Ah ouais, j'ai toujours le problème à mon bras et à ma jambe. Ouais, bah ouais, passe. Du coup, c'est bon le téléphone? Ouais, je vais te le donner dès qu'on sera arrêté. Ouais, je te remercie. C'est gentil. Par contre, je crois que j'ai rangé le range à Stein dans mon...
et je peux plus sortir. Pas grave, il y a un point, ton point. Ah mais il n'y a pas les clés. Non mais le mien, du coup, je l'ai laissé en fait. Va te refaire engueuler, toi. On n'a pas été mauvais. Non, ça s'est très bien passé. Franchement, de fou. Je suis sûr que c'est l'un de vous qui m'a mis une balle. Non, pas moi. Non. Vraiment, j'ai pris une balle par quelqu'un à gauche. Je suis sûr que c'est soit toi, soit Léo, soit John, ou soit... soit son bras droit. Mais moi j'étais sur la droite donc. Vous avez des nouvelles de Charlie? Elle est pas devenue. Ah oui, elle est devenue directrice. Elle. D'où ça? De l'hôpital. Ah ouais? À Spogarello. C'est super ça. Moi j'ai plus du tout de nouvelles. Hein. Poser tranquille. Y'a personne. SMC, je l'écoute. Oui, bonjour, je suis arrivé aux urgences pour me faire un petit pansement, un petit soin rapide. Et t'es tombé. Oui, on était en déplacement, on arrive. Ah d'accord, pas de soucis, ça marche. C'est pas grand chose, hein, vous pouvez prendre le temps. Oui, on est au retour à l'hôpital. Ça marche, merci. Tout de suite. Vous êtes quelqu'un? Oui, ils arrivent, ils étaient en déplacement. Et j'ai l'impression qu'ils sont tout seuls, en fait. Ah oui, le phone, please. Ah oui, c'est vrai. Que je regarde si j'ai eu des messages, tout ça. T'as vu John, c'est Jones là. Comment? Ils ont pas leur téléphone. Ouais, c'est. Je te remercie. Putain, je prends une photo dans cet hôpital, je te jure, on me voit pas. Prends la photo. Je serai camouflé. Est habillé comme moi. Non mais c'est vrai qu'elle est bien cette. C'est parce que j'aime être marqué. Tout blanc. Exactement. Tout à l'heure. Il y a une qui doit travailler, je crois. Zeria, elle était en train de faire des matériaux. Arrêtez. Je comprends rien à ce que tu dis, gros. À l'heure, enfin, dans l'après-midi, elle était avec. Hein, à la recyclerie. Et ben, je suis reconnu par les gens à cause de mon chapeau et ma tenue blanche.
Bah garde-le. Ah bah écoute. On met quoi demain pour aller à leur truc de costume là? Je vais sortir ma tenue de, d'astronaute. N'oublie pas qu'il y aura. Ouais, je sais. Ah, ils arrivent. Non, mais vraiment, je mets juste un foulard. Hein. Ils arrivent. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? John. Pas mal à ce point-là. Tu fais des caprices, là. Ah oui, c'est vrai. Waouh. Ah, au secours, à l'aide. Oh là là, je suis égratigné. Ah oui. Hein. Arrête ou je te mets un coup de pied au cul. Pardon, j'abuse peut-être. La chose. Un peu, ouais. Tu dramatises les choses, on dirait une gonzesse. Non, mais je leur ai dit de prendre leur temps, hein, que j'avais pas grand-chose. Ah bah t'inquiète, hein, ils prennent bien leur temps. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. En quoi puis-je vous être utile? Alors, j'ai une petite égratignure au bras gauche et une à la jambe gauche. C'est pas une chose, c'est d'accord. Une alors, suivez-moi. Il s'est crépité contre crépi, ce con. Oh, t'avais quand même poussé. Hop, on va aller ici. Allez-y. Je vous laisse vous asseoir ici. Vous êtes toute seule? Ah, mes collègues sont dehors. Je vais m'occuper. Ah, d'accord. Comment ça vous est arrivé? Alors, c'est pas très compliqué. Il y avait un mur en crépi. D'accord. Mon très cher, ma très chère amie m'a poussé pour m'embêter, puis ben, j'ai raflé le bras. Effectivement. Alors, je vais déjà vous faire ça. Voilà. Je vais désinfecter tout ça. C'est superficiel. Non, non, ça va, c'est des petites blessures superficielles. Hop. Alors. Juste relever votre manche. Tac. Désinfecte. Je vais quand même mettre des petits bandages et ça suffira. Ouais, hop. C'était sûr. Hop. Les bandages. Une biscotte. Hop, et la jambe. Et voilà. Ça va un peu mieux. Ah oui, oui, oui. Vous voulez des antidouleurs ou pas? Oh non, non, ça va. Non, ça va aller. Non, ça devrait aller. Ça marche. Je vais vous faire une petite facture. Ah, si vous pouvez ajouter sur la facture, je crois que c'est maximum. C'est 5 IFAC, c'est ça? Ah, c'est 10. C'est 10 et ça coûte combien l'unité? 500. Ouais, mettez-en 5. 5, ça marche. Je vais aller vous chercher ça. Alors, attendez, je vais le chercher. Ça marche, merci.
Hop. Alors, du coup. Je sais jamais. Comment ? Vous êtes nouvelle ou... Oui, je suis arrivée il y a un peu plus d'une semaine maintenant. Ah, d'accord. Attends. Oui. Ça marche. Ok. Alors. Ça, c'est pour vous. Merci. Alors, attendez. Problème, là. Je vous en ai donné 5, hein, c'est ça ? C'est bon ? Ah, oui. Vérifier. Oui, oui, c'est bon. Super. Et du coup, pour la facture, ça fait 2 700 $. Ah ben. Je la mets à quel nom ? Au nom de John Tessier. Ça marche. Hop. C'est envoyé. Et c'est payé. Super. Je vous accompagne à l'accueil ? Avec plaisir. Vous êtes passé à l'auto-école, j'espère. À l'auto-école ? Ouais. Non, pas encore. Il va falloir venir faire valider votre permis. Hein. Ah bon, faut faire valider ? Ah oui, d'accord. Ah, je savais pas. Pas je note. Ouais, vous savez. Maintenant, vous savez. Je le sais, je passerai. Dès que j'ai fini service et que c'est ouvert, je passerai. Ouais, ça marchait pas aussi. Ouais, du coup, c'est tout bon pour moi. Eh ben, c'est tout bon pour moi aussi. Bonne soirée. Ben, une bonne soirée, bon courage. Merci, bonne soirée, messieurs, dames. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. On va bientôt revenir, il y en a un qui va s'en manger une. Qui ? Tu verras bien. Pourquoi ? Tu verras aussi bien. Alors, John, après ton pied. Tu vas prendre mon 42 sur le coin de la face, toi, tu vas voir. Eh, t'as pris ton pied, du coup, t'as sucé le dard ? Ah, même pas. Oh, c'est con. Putain. En plus, elle avait sacrément de cheveux, là. Donc, tu aurais pu la choper par la tignasse. Attention que je vous écrase pas, là, au lieu de dire des bêtises. Ouais. Léo, franchement, faut que tu te détendes. Hein. T'en sors des conneries. Bon, il fait pas comme hier. Avant-hier. Et tu l'as fait hier encore. Ou avant-hier. Accident. Accident. Je vais m'attacher alors. Prends la ceinture du siège à côté de toi aussi pour t'attacher, c'est bien ça. Bon, attends, je vais aller chercher les sangles dans le coffre. Je serai sûr que je serai bien attaché comme ça. Qu'est-ce que tu nous fais ? C'est quoi ça ? Contresens. Oh, les flics. Pas vrai. Mais... Oh bah je fais attention au feu rouge. Alors là. Ah, c'est bon. Depuis quoi ? 2 secondes ? Ah, faudrait me ramener au QG. Ouais, moi je dois y aller aussi, t'inquiète. Ok, super. Parce que j'ai ma bagnole là-bas. Je vais chercher quelque chose à l'autre école. Ouais, pas de soucis. Alors, comme ça, c'est directeur, attention. Un directeur. Eh ben, dis donc. Appelez-moi monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Appelez-moi monsieur le directeur. Appelez-moi monsieur le directeur. Alors, oui et non, pour l'instant, je suis pas encore réellement directeur, j'ai pas encore demandé les clés.
Ah oui. Et ça, faut que tu vois ça avec le maire, peut-être. Ouais, faut que je vois ça avec le Sénat. Le maire. Un mail au Sénat. Ah oui. Et j'ai vu que... J'ai vu que vous recrutez. Du coup, oui, mais... ça va être un peu compliqué. En fait, c'est parce que vu qu'on n'est pas présent, on peut pas être présent tout le temps. Et ben, il faut que je recrute quelqu'un qui pourrait être présent pour laisser l'auto-école. Ouais, bah oui, normal. Ouais. On va faire le taf pour nous, quoi. Moi, je suis bien à mon petit burger shot, c'est nickel. C'est bien d'être patron, mais le problème, c'est qu'on n'est pas là souvent. Ouais, bah oui. Bah c'est Molly qui conduit. Ah j'ai pas les clés. Il va te les donner John. Non, après, je vais laisser conduire. Je range mes brins. Après je sors plus vite. Mais c'est moi ou je suis un peu conne quand même. Franchement la couleur blonde ça rend con. Hein. Ouais voilà, je suis con, c'est tout. Con et capricieuse en plus. Je voulais être devant. Ah, c'est à ton tour aussi. Vous avez eu des nouvelles du mec qui était Il y a beaucoup de monde qui sont comme ça ici. Faut pas que tu parles. Putain de coffre de merde. Mais si le mec qu'on avait vu là. Non, tu vois pas? Le bizarre là. Hein. Le parking. Ouais, avec la voiture toute défoncée, puis que même les flics ils l'ont poursuivi. Ah oui, lui. Et qui a fait gna. Ah, à mon avis, il est plus en ville. Ah, c'est possible. Ce serait mérité, ma foi. Mais c'est les petits couillons qui vont devant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est les flics, ça. Oui. Permettez, mais je tourne à gauche. Ouais, carrément. Dans la voiture, il y a juste mes armes, mes bras marins, mes trucs. Ah, t'as des armes. Bah, logiquement, j'y ai le droit, hein, j'ai mon PPA. Mais... Elle est pas encore déclarée. Mais t'as arme à feu? Non, c'est un pistolet à eau. Ah, bah écoute, tu vas chier loin avec ça. C'est pour faire peur à Austin. Ah oui, bon, on fait une petite bataille d'eau avec eux. Quoique, au moins, ça les nettoiera un petit coup. Par contre, ah, bah Austin, oui. Ils ont intérêt de faire très attention. C'est ce qu'ils font. Bah, disons qu'ils provoquent, quoi. Pas qu'ils oublient ce qu'on a nous. C'est clair. D'ailleurs, j'ai plus mon arme moi. Bon, je la redemande. C'est que vous avez une arme à titrer, non? Ouais, ouais, mais moi on me l'a repris. Ah oui. Vite la reprise. Yes. C'est sur vous, les gars. Qu'est-ce qui est magnifique, cette bagnole. C'est incroyable. Les Irish machin, c'est... De quoi? Sur Twitter, regarde.
Bah non, mais j'ai pas mon téléphone. Merde. Et Heinrich Baird, je sais pas quoi, là. C'est le club de motards, ça. Ouais, possible. Avec William Gister. Ah, je sais pas, c'est William Gister. On les a déjà vus, mais ils étaient cagoulés. A priori, ils font une soirée. Oh, nul. Ah, bien sûr que c'est. Vous voulez faire quoi là du coup les gars? Je vais aller récupérer mon téléphone. Ouais. Attention, je vais sortir mon Sandler. Moi, il va falloir que j'aille chercher ma shafter. Alors c'est bien hein, de m'envoyer des messages, d'accord? Mais ouais, c'est bien aussi d'y répondre à mes messages. Pourquoi? Je te réponds. Et là, tout à l'heure, tu m'en as envoyé un pour me répondre. Oui. Ah, je suis parti. Là, je t'avoue, j'ai je suis parti direct. Dégage, la grosse. J'ai jeté mon téléphone dans le placard et je suis parti. Et bah, c'est quoi mon problème? Putain, le con, il a fait peur à mon chat. Bah elle est où Molly? Ah bah... Ouais du coup ouais, j'ai vu là. Oui. Et du coup c'était pour... en fait c'était pour l'OP d'aujourd'hui, je l'ai envoyé hier. Eh ben, on voit bien que. Je pensais pas que t'allais revenir. Ah, je pensais pas que t'allais venir. Ouais. On voit bien que vous êtes des hommes. Hein. Pourquoi? Mais il va falloir ranger un peu vos tiroirs. Hein. Ah, ça va. C'est le foutoir un peu. Hein. Oh. À la base, c'est pas à moi. C'était pas à moi. Y'a rien à ranger encore. Ah bah oui, bah là, oui, c'est clair qu'il n'y a rien mangé. C'est la dent à la base. Et c'est un bordélique. Hein. Oh bah là, il y a de tout là maintenant. Il y a de tout. Il y a, en quoi. Il y a de la graille. Ah bah super, on va chez loin ça. On est trois, il n'y a qu'un menu. Ah, on va regarder ça. Alors, qu'est-ce qui raconte? Ah, c'est clair. Oui, j'en ai deux. Hein. Oh, en vert. Oh, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que tu fous comme ça, quoi? C'est pour les soirées déguisées. Ah ouais, bah putain. Je peux repasser en inspecteur gadget. Hein. Ah, oui, effectivement. Oui. C'est une tenue de moto. Ouais. Et une moto? Non, mais je compte bien le passer, mon permis. Celle-ci, elle est plus ridicule.
Aïe. Tu parles meilleur à ton frère. Oh, putain. Aïe aïe. C'est comme ça qu'il faut faire avec les hommes. C'est comme ça qu'il faut faire avec les hommes, c'est... Hop les petites patates. Ça va, je t'ai pas fait trop mal? Non, ça va. Tu veux un petit pansement? Non? Non, ça va aller. Ok. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais changer les miens de pansement. Pourquoi? T'as eu quoi? Une balle... Dans le bras. Quand ça? Pendant l'OP. Là, là? Aujourd'hui? Enfin, bah oui. Ah oui. Ah, c'était toi, c'était pas ton frère? Non, non, c'est moi qui ai pris une balle dans le bras. Ah, j'étais perdue. Mais t'es... Mais comment... Ah bah oui, si, tu l'as dit tout à l'heure en plus. Oh là là, je suis vraiment fatiguée, hein. Ah. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais chercher ma voiture. Bah, je sais pas trop. On tourne en rond et on compte les moutons. Tiens. On va vite faire. T'as ta voiture, toi, Molly? Ouais, ouais, j'ai ma voiture. Ce poteau, il est trop mal placé. Poteau derrière, là. Ah, c'est une horreur. Tu sors, tu te cognes. J'ai même pas le temps de finir ma binouze, parce que c'est quoi ça? Vous voulez faire quoi, là? Coucou. Et on récupère vos véhicules, mais on part en bas où? Ouais, c'est derrière. Hein. Vous voulez faire quoi là? Ouais, non, mais moi c'est derrière. Merde. Vous on voulez faire quoi? On se retrouve tout. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Aucune idée. On t'avait à me parler, toi. Moi, ouais, bah ça y est, c'est bon, je t'ai parlé. Je t'ai même mis ma petite droite qui me démangeait, donc c'est parfait. Bah voilà. Donc c'est parfait. Tout roule bien là, tout est nickel. J'ai pris une droite alors que je lui ai envoyé des messages cette semaine. Oui, mais c'est pour tous les messages que tu m'as pas répondu et que tu m'as pas envoyé. Et aussi parce que t'as mal parlé à ton frère. Alors, un conseil, Molly, en OP, ne prends jamais ton téléphone. Oui, j'ai... j'ai cru comprendre. J'ai entendu que t'avais failli tuer le boss. Oh, oh, c'est pas passé loin, un coup. Oui, 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 c'est ce qu'il m'a dit, oui. À mon avis, quand j'ai tiré, son oreille a sonné. Oui, et t'as fini dans le coffre. J'ai fini dans le coffre. C'est très bien. C'est une bonne leçon. Sauf qu'après, je me suis grièvement blessé. Ah, t'as fait comment? J'ai tombé du coffre. Oh là là. Mais décidément. Hein. Moi, j'ai des questions que je peux pas forcément poser partout. Pourquoi? Par rapport à tout ça, mais je peux, enfin, il y a des oreilles, tu vois, les murs ont des oreilles et les voitures ont des oreilles et voilà. On va où? Tu veux qu'on va se reposer à l'appart pour parler? Allez, carrément. En direction l'appart. Ça sera plus simple.
Ah, tu pas le poète qui voilà. T'inquiéter, il aurait perdu. Ah bah oui, hein, mais oh, nous c'est tranquille, on prend la carte de la sécurité. Mais dis donc, c'est que vous vous êtes acheté des belles bagnoles depuis que je suis parti en vacances. Alors, à la base, j'avais le Mercedes, le gros Mercedes que j'avais récupéré à Nantes. Je l'ai revendu pour m'acheter mon Mustang. J'ai toujours vu. Et au final, quand j'ai acheté le Mustang, je me suis dit bon, non, je vais le revendre. Je vais acheter Escalade. En fait, le Mustang il glisse vraiment beaucoup. Et quoi, il glisse? Ah, ouais, non, mais c'est une horreur, hein, vraiment. On est arrivé à bon port, on est vivant. Et bah, pas... oh, merde, et... ah, super. Je te calme un peu là. Et allez, dans le mur. Et je vais te mettre une claque. Hein. Oh non, non. Oh, j'ai voyant. Bah oui, bah. Tu te débrouilles. Regarde le mur. T'as vu le mur? Oh, je m'en fous, c'est pour le mien. Oui, enfin, quand même. Le respect du matériel. Ah, si t'aurais vu comment les Austin ils sont arrivés hier. Chez eux. Oh, oh, les premiers, les chats. Oh, dégage, saloperie. Hé, hey, arrête, c'est mon chat. On s'en ramène des souris, ça doit être de la daube. Non. Non. Ça les bouffe, les souris. Ça les bouffe, les souris. Ça les bouffe et ça les ramène. C'est Minette. Laisse Minette tranquille. Minette. Et qui laisse des trucs traîner à terre. Oh, c'est méchant. Putain, mais on a des poubelles, bordel. Ah non, j'ai pas de poubelle, justement. Oh là 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 là. Allez, vas-y, pose tes questions. Quoi, t'avais des questions à poser? Attends. Je fais mon boudin là dans mon coin. Ah bah super. Ah bah génial. Eh bah qu'est-ce qu'il y a, Monique? Bah t'as un casque rose. Ah, ça te plaît pas? Il est beau mon casque. C'est le casque que je lui ai acheté, ça. Oh, Minette, ça va. Oh, Minette, vas-y, essaye de rentrer, tu vas voir. Putain, elle est où ton arme? Minette et Minouche, on se calme. Putain, attends. Non. Oh, putain, les... Fais pas le rentrer, connasse. Ça ramène des rats, des souris, des bestioles, des puces, des machins. C'est dégueulasse, les chats. ça pue. C'est pas gentil, c'est... T'as mis où ton arme, ton handigueule? Et il est rangé. Rangé. Si tu le trouves pas, c'est qu'il est bien planqué. Tu le trouveras pas ici, hein. Mais bon, pas grave. Bah non, bah t'es pas assez fou pour le cacher là. Hein. En fait, c'est le meilleur endroit pour le cacher. Ah, du coup, il est pas ici vu que c'est le meilleur endroit pour le cacher. Allez, alors, dis-nous tout. Oui, pas depuis ta naissance. Hein. Juste tes questions. Il y a 25 ans, alors, tu sais. Moi, j'en ai pour jusqu'à demain, quoi. Ah ouais, oui, bah, je pense. Hein. Bah, je sais plus ce que je voulais dire, moi. Attends, faut que je réfléchisse. Oui, parlez-moi, Jojo, ça va? Vous allez bien, hein, de la nouvelle?
se cache rien, De quoi? Et qu'on se cache rien, nous deux. Bien sûr. On lui dit, bien sûr, John. T'es d'accord? Oui, oui, oui. Bah oui, hein. Ah, de toute façon, elle sait plus ou moins que... était là, hein. On est responsable, on est un petit peu responsable de sa mort. D'accord. Alors, moi, il y a une chose, c'est que je sais que... je sais qui a fait ça, et... voilà. De quoi, c'est-à-dire? On te l'a dit? Oui, mais on en avait parlé, Léo, un petit peu ensemble. Mais le truc... Ah, nous, on t'a dit. Ou oui. John, je sais plus, avec un de vous deux, j'avais parlé. Mais et le donc... truc, c'est qu'elle a, elle a été retrouvée, elle a... Ah ouais, elle a été retrouvée. Ah, mais il y a eu son enterrement, mais t'étais pas là, c'est vrai. Ben oui, j'étais pas là, oui. Ben Léo m'a dit, c'était hier. Ah oui. Mais vous, comme c'était quelqu'un quand même d'assez proche, ça va? En vrai, ça fait chier de te perdre. C'est assez proche, mais bon. On va vivre notre vie avant de vivre celle des autres. Hein. Ah bah bien sûr. Hein. Josiane, elle n'a pas été... Pour te la faire courte, Josiane, elle n'a pas été assez vigilante. Elle a pris une balle. Et c'est tout. Disons qu'elle était ouais. Trop bavarde et trop dangereuse pour la suite. Oui, oui, mais de toute façon, Léo m'avait dit, elle a entendu des choses qu'il fallait pas sur une radio. La première fois, la première fois qu'on s'est rencontré, que je t'ai parlé de Jojo, je l'avais déjà dit. Ben oui, oui, oui. Tu m'en avais parlé comme quoi, en fait, elle fouine trop et que du coup, ça pouvait être dangereux pour elle. Ça me fait penser à Trager, ça, tiens. Non, mais Trager, elle va prendre une balle à un moment donné. Elle continue. Du coup, expliquez-moi tout. Là, quand... Quand dit John, si c'est moi qui lui mets la balle, ce serait avec un grand plaisir. À qui ça? Trager. C'est qui? Alexandra Trager avec les cheveux rouges. Ah, oui. Elle, plutôt, du coup. Oui, oui, si je vois, c'est qui. Tu rigoles? Il doit y avoir une balle, c'est moi qui la mettre. Tu lui en veux encore terriblement, je vois. Bien évidemment. Mais elle a pas un fond méchant. Hein. Je lui parle et tout, mais le problème, c'est que actuellement, elle est dans un dans une sale affaire aussi. Elle. C'était pas tout Molly sur ah elle. Ah ouais. Elle fait partie d'un gang, les Diables machin. Là. Ah ouais. Ah, ouais, avec les mécanos. Une orga, machin, je sais pas. D'accord. Sauf que elle fait chier notre clan, elle fait chier les Austin. Ok. Il faut l'exterminer, puis c'est tout. Et je pense que c'est surtout pour ça qu'elle a rejoint Centaurus, puisque Centaurus fait partie du lot. Bah, je pense qu'il faut juste... se salir les mains très rapidement et puis c'est tout. Oh, on verra quand S il demandera. Ouais, bien sûr. Après, il y a des choses qu'on peut faire aussi nous-mêmes. Hein. Non, pour des raisons... vaut mieux pas. Pour des raisons personnelles. Ouais, mais ça pourrait se retourner. Ouais, on écoute le chef, il n'y a pas de souci. Ça arrivera, mais le plus beau, c'est de l'avoir tombé tout. Quand elle va se penser au sommet et que c'est nous qui allons la faire tomber, là ça va être intéressant. En attendant, elle me mange encore dans la main, tu sais. Je l'appelle, elle va répondre. Attention, elle va bien me parler. Ah oui? Ouais, tu sais, j'ai l'impression qu'elle est un peu comme ça avec tous les hommes. Hein. Justement, profitons-en. Utilisons-la comme il se doit avant de la faire chuter de son cristal. Après, faut faire attention. Hein. Ça, c'est comme les vipères. Hein. Après, si elle fait une connerie sur nous, tu peux...
Comme ça, on dirait pas, mais S, il est très proche de ces gars. Ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque concrètement? Les armes? C'est nous qui les avons. Elle est morte. Munitions, c'est nous qui les avons aussi. Concrètement, si elle se met à louper elle, son plan est foutu, elle est dans la merde. Ben ouais. Tu sais qu'il y a 3 jours, ouais, c'était il y a 3 jours, hein, Théo, elle s'est retrouvée prise en otage par Bill Austin. Ouais, mais ça c'était ah oui, à mon avis, c'était pour un coup de pression. Ah bah c'est elle et son clan, elles se sont retrouvées entre les Austin, donc dans la maison des Austin, entre les Austin et nous. D'accord, ok. Donc moi, nous, ça nous a pas servi de faire peur. Bon, je vois qu'il s'est passé beaucoup de choses, hein, donc je m'installe. Faire comprendre, ça nous a permis de lui faire comprendre qui étaient les boss de la ville. Ah oui, mais quand même, il s'en est passé des choses. Oh là 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 là. Faut pas partir en vacances, en fait. Disons que c'est très intéressant depuis quelques. Par contre, super soirée, quoi. Franchement, tout s'est bien agencé sur le plan et tout, c'était nickel ce soir. Le temps qu'on écoute. Bon, il y a des petits détails auxquels on doit faire attention, notamment par exemple le problème des voitures. Là. Mais en vrai, sinon, c'est plutôt bien débrouillé. Le quoi des voitures? Quand on s'est trompé, et telle ou telle personne d'aller dans quelle voiture. Oui, oui, bah oui, non, mais oui. Mais sinon, ça s'est plutôt bien déroulé. Ouais, mais en soi, ça s'est bien passé. Oui, parce qu'à part ça, oui, ça s'est bien passé. Mais je crois que moi, j'étais dans la bonne voiture. Hein. Par contre, la décision de Stain pour faire par rapport au Austin, moi, je trouve qu'il a bien, il a pris la bonne décision. Ouais, je suis d'accord. De partir et de pas. Ouais, ouais, dans le nord, on n'est pas chez nous. Hein. Ouais, c'est clair. Non, pour moi, tu peux pas attaquer un endroit où t'es pas chez toi. Ils nous auraient suivis jusqu'à Sandy, pourquoi pas? Et là. Ouais, à la limite, ouais. Parce qu'après, c'est plus chez eux, donc il y a des limites. À partir du moment où on a approché leur largage. Forcément. Je suis sûr qu'il est tombé, ils l'ont pas vu. Ouais, ouais, c'est sûr. Ils ont l'air un peu bizarre. Hein, ouais, 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 ils sont teuteux. Il y a encore. Ah oui, c'est sûr qu'ils savent pas où il est. Et puis c'est... Oh oui, à mon avis, vu que c'est dans la zone. Hier, tu sais qu'ils sont arrivés. Mais d'ailleurs, il y en a un. Ils ont failli nous écraser. De quoi? Il y en a un plus haut. Exact. Exact. Et ça, c'est peut-être oui. D'autres gens. Ah non, c'est peut-être Carly Austin. Ouais, peut-être aussi. Ouais, c'est chez eux. Parce que ça a l'air d'être assez proche de chez eux. Ouais, je pense que c'est les Austin, ça. Tu sais pas ce que j'ai fait cet après-midi? Eh ben, j'ai fait de l'héroïne. De quoi? J'ai fabriqué de l'héroïne avec Stain et Piano. Oh ouais? Et t'as vendu? Non, 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 c'est pour des livraisons très spéciales. On a livré hier à. Avant-hier à Bill. Austin. Et en plus de ça, on a été fabriquer des armes. D'accord, mais dites donc. Vous en avez de la chance, vous en avez fait des choses. Je te dis que ça devient intéressant. C'est vrai que. Et puis j'étais venu ici pour me ranger, quoi. Oui. Oh, bah je te rassure, moi aussi. Hein. Mais tu sais, des fois, une chose enchaîne une autre. Hein.
va, on a la chance d'être dans le bon clan. Ouais, franchement, celui qui contrôle les armes, déjà, c'est déjà énorme. Du coup, maintenant, tu sais que si je ne réponds pas à tes messages quand t'es là, que je suis là, et que voilà. Alors ça, je suis d'accord. Y a pas de souci. Mais tu me préviens quand tu pars en opération. C'est tout ce que je veux. Pour que je sache pourquoi j'ai pas de message. Ça marche. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai pas de message. Je t'envoie des messages, tu me réponds pas. Je m'inquiète parce que j'ai peur, parce que je sais que justement, tu fais des choses comme ça. Donc du coup, c'est une chaîne sans fin. Je pense que tu peux la comprendre. Ouais, t'inquiète. Bon, et toi, un message John... à chaque fois je pars en OP. Oui. Toi, John, les gazelles, toujours rien? Alors, non, toujours rien. Et puis. Bon, il y avait la belle blonde, le GMS. Ouais, mais non. Ouais, John, merde. Hein. Attends. Si je dois m'occuper de toi, m'occuper d'une femme, m'occuper des affaires, ça va devenir compliqué. Hein. Oh putain, c'est vrai. Ah, parce qu'on a la chance. Toi, Léo, t'as la chance que Molly t'a rejoint. Ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plus plaisir que ça qu'elle ait rejoint les Bonelli. Hein. À tout moment, elle peut prendre une balle. Ah mais bon, moi, elle est au courant. Oui, et en même temps, ce soir, c'est pas moi hein, qui m'a pris une balle. D'ailleurs, ça t'apprend quand tu vas pas mettre de chili. Ouais, c'est vrai. T'as mis ton gilet, toi? Ah, heureusement, encore. Non, je l'avais pas mis, moi. Ah bah, de toute façon, ça a toujours été ton défaut, tu fais les choses à camoche. Bon, j'avoue, moi je l'ai pas mis non plus. Eh bah bravo. Oui, mais j'ai pas été touché. Ouais, parce que t'as eu la chance cette fois-ci. Bah, la prochaine fois, tu le mets, oui, ton gilet. Bah toi aussi, parce que toi par contre, t'as pas eu de chance, t'as été touché. Ah bah, elle est ressortie. Ah, j'ai tué un mec, deux mecs, ce soir. Oh là là, incroyable. Ah, j'en ai eu trois. L'adrénaline que ça peut procurer, oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas quasiment ça. Pas eu... On a quasiment pas utilisé de munitions. Non, c'est clair. Hein. Parfait. Quasiment pas de munitions gaspillées, OP propre. Rien à dire. Ouais, vraiment. Mais court. C'était pas beaucoup ce soir. Ouais, c'est vrai. Enfin, je m'attendais à mieux. Enfin, en termes de. Oui. Ça, c'est le côté sadique qui parle. Ah, un petit peu, ouais. Non, mais je pensais que c'était un plus grand groupe que ça, du coup. Ouais, bon. Ouais, ouais, après, ils étaient peut-être pas tous là. Ouais, non, mais je pense qu'ils étaient pas tous là. Ouais, tu sais, en général, ça roule, hein, ces gens-là. Par contre, demain, on va laisser éclater. Ouais, du coup, il y a après, un. Après, on va se suréclater. Après, il faut faire un appel. C'est ça, ouais, je pense qu'on va le refaire au même endroit. Oh. Et du coup, nous, on n'a pas toutes les infos. Hein. Oh.
Ah, quand il nous a dit qu'on avait les yeux grands ouverts. Ouais, mais non, attends, parce que... Ah, oui, je pourrais dire ça plus tard. Attends. Quand... Attends, petite seconde. Alors. Donc à l'occasion, si vous savez pas quoi faire, allez à la recyclerie chercher des... Ouais, surtout que les armes c'est cher. On peut lui en acheter des armes à... au mec ? T'en as pas encore fourni une ? Non, non, du tout.
Il va t'en fournir une. Ah, il faudra lui rappeler, bah ouais. Forcément. Bah, je pense qu'il attend aussi un petit peu... comment, de voir un peu mon potentiel, peut-être. Nous, ce qu'on fait avec notre arme, c'est que... Quand il nous appelle pour une OP, pour un rendez-vous, on la sort. À la fin de l'OP, on revient ici, on la range. Et elle sortira plus avant le prochain OP. Comme ça, hop, on l'a jamais sur nous. Ouais, bien sûr, ouais, c'est vraiment une arme pour... Bah, faut pas te faire péter avec, quoi. Non, c'est clair. Il a dit, hein, si tu te fais péter avec... ça va gueuler, quoi. Logique. Du coup, je vais vous envoyer le mail après. Ouais, ça marche. Ouais, ça marche. Là, j'ai envoyé un mail à John, vite fait, et puis... Moi, je vais faire mon petit dodo. Ouais, bah ouais, pareil. Hein. Ben, écoutez, bonne nuit. Eh ben, bonne nuit. Ouais, fais attention à toi. Ouais, y a pas de souci. Reposez-vous bien. Et si tu fais une OP un jour qu'on n'est pas là? Ah, et puis tu peux dormir ici hein, si tu veux. Ah oui, merci, c'est gentil. C'est pareil. C'est ce que je vais faire moi. Un petit message. Pas de soucis, je te tiens au courant. Faut que tu saches comme ça, s'il m'arrive quelque chose et que t'as pas de réponse, ça veut dire que. Ça veut dire qu'il m'est peut-être arrivé quelque chose justement. C'est, bah, c'est simple. Je me relève seul. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tout le monde prévient tout le monde. Comme ça, tout le monde est au courant. Chacun en noter. Et quand après, on n'a pas vraiment le temps d'envoyer des messages à 15 000 personnes. Tu sais comment ça se passe quand on part en OP, ça doit être rapide et efficace. Ça t'empêche d'envoyer un mail? Un mail? De toute façon, en général, les OP, normalement, on les voit sur l'internet. Les grosses OP. Les rendez-vous. Ah ouais, les rendez-vous. Bon, ça, c'est une gère le truc. Allez, bonne nuit. Ah, mais moi, Molly, elle veut que je lui envoie un message. Bonne nuit, reposez-vous bien. Merde, on a déjà un groupe à trois. Ouais, normalement on a un groupe. Bon bah rejoins le. Yes.
Ah.